Bonsoir. Bonsoir. Ce soir. Putain, ça me fait pleurer. Ce soir, c'est l'horreur. Comme vous avez pu le voir sur les 40 minutes précédentes, qui étaient les plus belles 40 minutes de l'histoire de la Megaforge. Ce soir, c'est l'horreur. C'est le Fricked Friday. Et là, on lâche plus rien. Donc ouais, Fright Friday, ouais, ça va ou quoi? Donc ce soir, on va faire du Lost in Vivo. Je sais pas si ça va durer toute la soirée. J'ai essayé de regarder, voir combien de temps ça durait Lost in Vivo. Je savais pas si c'était un petit jeu indé tout pourri, super court ou pas. Peut-être que ça va faire toute la soirée, peut-être pas. Mais au cas où, j'ai toujours du Resident Evil HD Remaster à faire après. Le truc, c'est que Resident Evil HD Remaster, je sais plus du tout où j'en suis. Faut pas que je commence à parler comme ça parce que ce soir, normalement, il y a les Algériens qui jouent, je sais pas quoi, et en général, ils font énormément de bruit à côté de chez moi. Donc, alors, si à un moment, si le match se termine de la coupe africaine rigolote là, si ça finit ce soir et que vous entendez genre des cris, des coups de feu, des voitures qui passent à toute bazingue, etc. C'est normal, d'accord? Plus personne. C'est peut-être ça le vrai Fright Friday quelque part. Peut-être que le vrai Fright Friday, c'est les amis qu'on a eus au cours du chemin. S'il finit en stream, on va l'entendre, j'en ai déjà marre. Ah oui, mais tu veux que j'ouvre les fenêtres? Ça se trouve, on peut l'entendre pile quand ça commence. On va entendre des klaxons, etc. Parce que c'était ça la dernière fois déjà. Le match avait fini, genre, ou alors ils avaient marqué un but ou un truc comme ça. Et genre, à 5 secondes près, les mecs ils passaient, ils balançaient leurs bouteilles et tout. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi, hein. Russien, il est dans l'univers de GTA. Mais moi, c'est Portland direct, c'est Liberty City direct. C'est la purge. Mais ouais, mais mec, c'est French Nightmare. French Nightmare, c'est comme American Nightmare, sauf qu'à la place, c'est tous des Algériens et ils ont des bouteilles. Alors, c'est quoi? Donc, il y a un nouveau truc avec Streamlabs, j'ai l'impression on peut gagner. Enfin, vous pouvez acheter c'est des loot box? Non, il y a des loot box. Ah putain, c'est ça que j'ai activé tout à l'heure sans faire exprès? Attends, est-ce que je peux le virer, non? J'ai pas envie de vous emmerder avec des loot box, moi. Non mais c'est ça, on est bien d'accord, tu viens de gagner, t'as acheté une caisse et tu viens de gagner 6 mois de sub, c'est ça le truc là? Mais attends, je veux pas mettre des lootbox sur mon stream. Mais t'es fou quoi? Mais tu sais pas bien ou quoi? Non c'est ça, explique. Attends, qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi, je vais cliquer sur le lien. Il y avait un lien tout à l'heure, ah, c'est celui-là là. Collectibles. Non il marche pas. Et sont où les collectibles? Attends. Bouge pas, parce que du coup ça m'intéresse, je veux voir ce que je suis en train de rajouter à mon stream, moi, j'ai pas vraiment pas confiance. Allez, Russian Corpo, il pense à la thune. Non, au contraire, je pense surtout à vous éviter d'avoir à payer des lootbox, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est gentil, ouais. Ouais, mais on vous force pas, hein. Non, 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 pas de lootbox, on chiale déjà sur ça à longueur de temps. Spicy up your alert, ouais. D'accord. Bah, je vois mon propre stream. Qu'est-ce que c'est que ces emmerdes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas ce que je vois en fait. Et on peut collectibles, ouais. Attends, je vais me connecter. Bouge pas, je teste un truc. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, merde, c'est fini ça. Attends, bouge pas. Je remets l'écran. Merci beaucoup, Biob, pour du coup le don. Mais du coup, on l'a pas vu. Genre, la seconde près où tu as donné, on n'a pas vu, un peu comme d'hab. Et tu as dit, haha, avec la méga 1 loser. Ok, top. Et bah je comprends pas en fait le système de lootbox. Mais écoute, si ça marche, vous voulez que je le vire ou quoi? Collectibles, Mike Collectibles. Ouais, j'ai l'impression que c'est Streamlabs qui a rajouté un truc. Mais en fait, ils me l'ont juste dit vite fait quand je me suis connecté au truc pour voir les alertes. Et ils ont fait, ouais, il y a des lootbox, t'acceptes ou t'acceptes pas? Moi, j'ai fait, ouais. Parce que là, c'est la plupart du temps, je dis oui. Je suis pas quelqu'un de forcément méchant, de foncièrement méchant. Donc, j'avais pas envie de dire non, tu vois. C'est pas des lootbox trop.
Ouais, pas trop non plus. Bon, joue là. Mais non, attends, Spider, c'est dans 50 minutes qu'on peut rentrer dans la bêta. Hein. Bon, bah écoute, non, je sais pas, bon, bah je vais la laisser là pour l'instant, mais si c'est trop envahissant, je la virerai, d'ac. On fera comme ça. C'est quand le jeu? C'est quand je veux. Donc, si t'as envie de voir du jeu, va voir Ninja, hein, ou Squeezie, y'a pas de problème, mais moi je joue quand je veux, donc Nick Taras. Tu sais quoi, si j'ai envie de faire ça là? Ah! Et de pas jouer pendant un moment, je fais qu'est-ce que je veux? On peut débloquer des émotes, mais j'ai pas l'impression, c'est des lootbox juste pour des subs et d'autres trucs. Bah oui, du coup, indirectement, tu peux débloquer des lootbox, mais je sais pas comment ça marche, je sais pas comment ça marche. Allez, c'est parti, on va lancer. Je bois un petit coup, tac, en plus Sonic, ça s'est terminé pile à ce moment-là. Bim, et c'est Tipa. Je me suis pas gouré. Oh. Maman. Ok, ça a l'air cool. J'ai regardé juste vite fait, comment on appelle ça, pas un résumé, mais la tagline, tu vois, du jeu. Et en gros, t'as un chien d'assistance. Maman. Apparemment, c'est un truc sur la claustrophobie. I hate my mom and I hate maths and I'm a demon. Fuck you, dad. Fuck you, mom. I don't want to do my own works. Fuck you. Ouh, ça fait peur le bitrate. Ok, bah attends, je vais pas trop me spoiler, Voilà, voilà. Chut. 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 Fuck you, mom. I'm Shadow the Hedgehog. Allez, new gamay, c'est parti. Nouvelle gamète, comme on dit en biologie. So how are you feeling? Trois petits points. Do you feel these sessions are still helping? Je sais pas pourquoi j'ai pris mon meilleur accent Johnny Depp. You could try something a little more pirate. Direct. We could start in vivo exposure therapy. And also, you should grind on me. You should give me your number and tell me at what age did you first have coitus. Everything is a dream. Ouh, ok. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, même les environnements, c'est un. Bip. Bip. Ah, oh, son petit cul. C'est un corgi ou. J'entends des trucs. J'entends des trucs. Attends, ok. Ok, donc pour l'instant, tant que t'es pas perdu dans une Volvo. Lost in Volvo. Lost in Volvo. Un conte suédois. Je suis là. Ah. Je suis pas dans l'ambiance. Merci Nico. Déjà j'ai vu Nico que t'avais sub pendant 24 mois. Ça c'est. Hé hey. Je parle, ok. T'as c'est Momo le Klebs. Hé hey, tu joues quand? Oh la bande de connards. J'avais vu une streameuse qui avait des vidéos préenregistrées quand quelqu'un lui demandait ta gueule et joue ou alors monte tes pieds. Et elle avait des vidéos exprès pour les envoyer chier. Et je pense que je vais finir par faire exactement pareil. Et lui ont modélisé le trou du cul du chien dans ce jeu là aussi. Bah attends, essaye de voir. J'arrive pas à. On peut pas se pencher ou. Oh, je peux siffler! Oh, c'est trop bien! C'est beaucoup trop cool! Mais c'est quoi ça? Attends, il y a Streamlabs, il vient encore de se faire bannir, qu'est-ce qui se passe? Il fait chier ces trucs! Il y a une guerre des bots! Sur mon truc, c'est l'attaque des clones! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Ok. C'est quoi? Pourquoi il a un logo? Attends, mon chien a un logo Pepsi sur le côté, donc c'est quand même un chien relativement sérieux qui sait ce qu'il fait. J'aime pas le. Je vais t'avouer que ça me met vraiment pas du tout dans le. Ah ah. A game by Akuma Kira. Ça c'est un nom qui n'existe pas. Ça c'est un filthy gaijin en fait. Il s'appelle Robert Lapignol. Il habite en Meurthe-et-Moselle. Mais je suis un vrai samouraï, moi j'ai une collection de 50 épées véritables japonaises que j'ai acheté et importé
Ils font ça dans le Kanto. C'est juste à côté de chez Pokémon. C'est quoi? Missing. C'est quoi? John Experliarmus. Ok, on a perdu John Experliarmus. Oui. Rabbi Jacob, il va danser. Ok, d'accord. Très bien. Oh. C'est stream sponsor par stream. C'était quoi? C'est toi qui as fait ça? Merci à Ted Snake. Stream sponsor par NordVPN. Oh là là. Et il se passe des trucs un peu sur le stream, hein. J'avoue, vous voulez que je monte mes pieds aussi? Ah! Protège-moi, Momo le chien. C'est un peu fort, peut-être, non? Non, c'est bon? Dites-moi si c'est trop fort. Mais une OPSP, moi, je crache pas dessus. Mais c'est normal, parce que toi, t'as un dalleux. Mais quand t'as un peu de respect, t'acceptes pas... quand même, faut pas déconner. Je regarde tout le temps derrière moi, ça me fait faire deux fois plus de distance, mais j'ai vraiment pas envie de me faire enculer, si tu vois ce que je veux dire. Paranormal Stream Activity. Allô? Smoking illegal experiment. J'entends des trucs. Or, mec, il y a une simulation de la 3D dans le casque qui est effrayante en fait. Elle est vraiment super bien faite et ça j'aime pas. Jews news secret gout tests. Dr. B leaks the info. Ah oui, c'est Cardi B. Non, c'est Candy B. Comment, c'est quoi la chanson déjà? Attends. C'était quoi? C'était... Ah non, putain, je confonds avec Lisa Monet. Vous vous souvenez de Lisa Monet? Attends, mais elle a fait des nouveaux trucs en plus. Ouais, je suis en train de gagner du temps, ouais. Elle est où? C'est quoi son ancien? Ah, c'est celui-là! Je suis désolé. Ok, c'est parti. Allez, avance, petit chien. Avance, Momo. Fonce, Momo. J'adore cette laisse rigide, littéralement faite en PVC. C'est pour être sûr qu'il s'éloigne pas. Ah, la quatrième fois, normalement, on s'encule. Hein. La mort ou le chichi? La mort, chichi d'abord. Attends, je vais baisser un peu mon son parce que je sens vraiment que ça va chier, quoi. C'est toujours bon au niveau du son, on m'entend quand même. Lisa Monet, personne n'a oublié. Mais moi, j'avais un peu oublié, j'avoue. J'avais arrêté de penser à ce qui est fait pendant un moment. Waouh. Je suis pas forcément super à l'aise. Allez, avance, petit. Mais c'est un corgi, ça existe des chiens d'assistance corgi? Je croyais que c'était que des Golden Retriever ou des Labrador, parce qu'un corgi, enfin, quelque part, ça ne sert à rien. C'est un petit peu comme le plaisir féminin, là. Allô? Allô? Non, c'est bon? Oh, c'est, en plus, c'est de la vraie pluie, c'est pas juste un filtre. Oh, c'est quoi? C'est toi, Michel Drucker? Ah, j'ai des frissons, sa mère. Ah, j'ai des frissons. Tu sens pas une respiration derrière toi? Mon petit chien! Ramasse-le. Ouais. What? Oh. Oh non, tu... Me dis pas que c'est un niveau dans les égouts de 3 heures, mec. Si tu me dis que c'est un niveau dans les égouts de 3 heures, je vais péter un plomb. Mais je vais vraiment me mettre à hurler pendant... Si... Je vais... Ça vous dérange si je crie littéralement pendant 3 heures? Moi, j'avoue que ça me ferait énormément de bien, quoi. Si c'est ça, si... C'est... Non, mais attends. Non. Ok, on fait un deal. Si c'est ça, je vous passe du Lisa Monet pendant littéralement tout le stream. Je m'en bats les couilles, hein. Franchement, je le fais. Examine. I can't just leave. Si. Non. C'est un kleps, mais... Oh là là. Oh, papa, il est au bout. Est-ce que je peux enlever... Ouh. Ok, j'ai une flashlight. Ah bah dis donc. heureusement que j'ai amené ma flashlight, faut pas déconner. Hein. Ah ok, il y a des glory holes, c'est déjà ça, je me sens à peu près chez moi. On peut revenir.
Crazy Spiro Piro. Je suis pas forcément super à l'aise, mais bon, écoute. Quelque part, ce qui compte, c'est l'expérience. Ah, Riance, je me suis fait faire peur juste avec une ombre. Et j'ai l'impression... Ah, putain. My madness works. Darkness, invisible of me. Ok, là, si. Merlin, the great wizard. Ah, c'est celui qui mange des gratins de gravier. Je le connais dans Shrek 3. 3. What cross. Je suis pas bien, mais... On va où? Les gars, on fait quoi? Droite ou gauche? Le chemin définitivement positif ou le Nord-Pas-de-Calais? Ah, ça se finit là-bas. Bon, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, non. C'est pas bon. Ah. C'est un petit coup de bite. Mais que fais-tu dans ces égouts? Benoît pour le voir. Merci Nico. Merci beaucoup Nico. Merci beaucoup Nico. Ah, il vient de là-bas. Ok. Est-ce que vous entendez, vous, le son un peu en 360 degrés ou alors c'est que moi? Est-ce que... Oh! Tu joues actuellement à l'alpha de ça. Mais moi, les clowns, ça me fait pas trop peur, mais les monstres dans les égouts, j'avoue que bah, c'est pas forcément mon truc. Je préfère écouter juste l'intégrale de Lisa Bonet. C'est quoi? Elliot, Opossum Boy, McPherson. Ok, d'accord. C'est cool d'avoir mis le nom des backers, ça permet un petit peu de... Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle... Le screensaver Windows 95 avec tu sais le mec qui se balade juste dans un genre de labyrinthe avec des pierres, tu vois. Attends. Tu penses qu'il y a des crocodiles dans les égouts? IRL? Non. Si en Louisiane. Mais pas ici. Car ici nous sommes à Maubeuge. Ça fait mal les tatouages? Bah ça dépend de la zone. Bah je suis de Maubeuge. Oh putain, arrêtez de m'envoyer des notifications sur mon téléphone. Attends, je vais virer mon téléphone. Voilà. Mon téléphone n'existe plus, il n'est plus parti, il fait plus partie de l'exclusion. Ah mais oui, je peux courir. Chose que je ne ferai pas. Chose que je ne ferai absolument pas, je n'ai pas envie de sprinter pour me retrouver nez à nez avec un genre de créature. Oh. Petit pips. Tu déconnes pas, hein. S'il y a un truc derrière moi, si je meurs, je te promets. Chiche, je le fais. S'il y a un truc derrière moi, je canne. Ah, la sortie. Ah, non. Ah, non. Ah, tiens. Ouh, ça va être bien. Ah, oh, c'est bien, le jeu, il fait 3 heures. Ça fait 20 minutes que j'ai commencé à jouer. Ok. J'entends de la musique. Oh! C'est dans Silent Hill? Bonsoir Silent Hill! Ça va? J'adore Silent Hill! J'ai vu la jaquette du 3 une fois! Oh! Ok! Ah bah j'ai un inventaire, ça va, tout va bien? An old military flashlight always keeping with me in case I get trapped somewhere. I can't bear to leave the house without it. The battery is long lasting and an ad guaranteed to last all game. Written on the package, whatever that means. Trop rigolo votre humour méta, bande de sales fils de pute. Ok, c'est bon, j'ai un marteau. C'est bon, je suis immortel. Comment... c'est un truc... Oh, ok, j'ai ma laisse. Torn leash, my dog's leash. It got torn on the broken sewer grate. The key ring that holds all the keys I have. Super, le mec, il a un kleps, il fait des porte-clés, il fait une cassette. An old tape I found at home. If I find a tape player, I should listen to it. The pound is written on it. The pound. Ok. Est-ce que je peux utiliser... Ah! Est-ce que je peux utiliser la... Game manual. D'accord. Ah, il y a des guns! Oh! Mais ça va! Mais s'il y a des guns, alors, bah attends, on risque rien! Comment on fait pour... je sais pas. On peut s'accroupir ou quoi? Crouch? Bah oui, on peut crouch. Il y a un tape player, là. J'aimerais bien pouvoir...
Oh. Bah ça marche pas. Dans quel état nous sommes? Non, ça marche pas du coup. Bon bah tant pis. Ouais, ombrageur, apparemment t'as trouvé des trucs. Si, ouais, apparemment t'as trouvé une émote épique. Et je comprends pas le principe, c'est pour utiliser peut-être sur les alertes, non? Les annonces, je sais pas. Tu joues Triple H. It's time to play the game. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je montrais mon poireau à tous les passants. 0-3-23, nos les émotes, ça a utilisé dans les dons. Ah ouais, les mecs, ils te filent des émotes, mais c'est pour filer du fric avec. Ah, c'est pas con, parce qu'ils se font une petite marge à chaque fois avec. 0-3-23, ouais. Merci, les gars. Merci pour l'assistance mémoire. Crash de l'eau sur ton écran. J'ai pas mis assez, ça a juste fait une petite pluie sur ma tête. J'ai pas voulu mettre trop de... Attends, tu veux que je en mette plus? Non, j'en ai pas encore assez. Non, j'ose pas. J'ose pas, j'ai trop de trucs trop chers autour de moi, mec. J'ai littéralement trop de trucs trop chers autour de moi. Sinon, je l'aurais fait. J'aurais habité, genre, dans un... Je sais pas, cave. Ça aurait été... J'ai pas envie de me retourner. Va falloir que je me retourne. Je m'en fous, j'y vais à reculons. C'est quoi, je m'en bats les couilles, hein. Ça fait encore plus peur. Ah Petit chien. Ok, il est tout droit, c'est bon. Mais toi, c'était pas comme ça tout à l'heure. Oh non. Ah, j'aime pas quand ça fait des old switcheroo. J'aime pas quand le jeu il me fait une Kansas City Shuffle. Vous connaissez le Kansas City Shuffle? Non, Ombrageur, qu'est-ce que tu fais? Oh, des jolies émotes. Merci, Ombrageur. Ah, c'est joli, c'est marrant. C'est un test, mes cadeaux. Ah oui, c'est mignon. C'est gentil, très gentil. Vous sentez pas obligé de faire des dons parce qu'on a des nouveaux trucs, les gars. Hein? Ah, bah... Yo, mon Klebs. Oh! Quand ça fait ça. J'aime pas trop quand ça fait ça, là. J'ai un marteau. Je suis un gros taré, j'ai rien à perdre. Je suis littéralement sous speedball. Je sais pas ce que c'est le speedball, mais si on me tire dessus, je sens rien. J'ai mangé de l'humain une fois. Et j'ai pas trop détesté. Ouh. Comme ça, dans 2 minutes, mon slip est souillé. Tu sais très bien qu'il est déjà souillé depuis un moment, mon slip, là. Ah! Ah, cool! Un endroit pour... voilà! C'est quoi dedans? Oh, de la viande! Bah, impeccable! T'as à manger et t'as une télé, pourquoi tu te plains? There's not much on the TV nowadays, so I thought I'd make my own show. I started putting food and rancid meat in the useless old box and all sorts of little critters would come and play. It was really relaxing to just sit on the sofa and watch them eat. But the small critters started attracting larger ones to the show. Some horrid, putrid things kept coming by to watch, so I would just pretend to be asleep till it passed. But I think it knows I'm awake. I think it's watching me. Not the show, on the TV. What the fuck? You retard motherfucker. Il a mis des petits donuts en plus. Je peux rien péter là. Attention! Attention, j'ai pratiqué la baston de clochard pendant 10 ans! Et pas toi! C'est, probablement que si. Si tu bouffes mon chien, je te promets que je t'encule. Y'a quoi ici? Y'a rien. My eyes are useless. All they do now is sting and show me stuff that can't be real. If the rancid things want them, then I say let it have them. Non merde. Bah écoute, mais si je alors moi si je pourrais garder mes yeux, j'avoue que ça m'arrangerait parce que c'est plutôt utile dans le genre de boulot que je fais. Allô. Oh. Attention, des nouveaux assets. Il a coûté cher le jeu. Faut pas déconner. Ok. Ah mais non. Ah si.
Ah bah oui, si. Mais je suis pas fou, il y a bien... Oula, il y a bien des trucs qui se passent dans mon dos quand je passe, on est bien d'accord. Attends, tu sais quoi, bouge pas. Est-ce que je peux faire de Streamlabs? Parce qu'il va se faire ban tout le temps sinon. Comment on fait? J'ai envie de le foutre. Ouais, ça c'est... Comment je fais pour le foutre en admin, Streamlabs? Ah, ok. Bon, on verra ça plus tard, ok? Parce que je sens que vous avez juste envie de me voir me chier dessus, alors du coup, on fera ça plus tard. J'ai pas peur! C'est toi qui as peur! Bah, c'était une pute. Tonton Focus! Ah, ça va, j'ai tué une femme. Ça va, hein? J'ai pas peur des femmes. Tu vois, ah, c'est ouvert maintenant. D'accord. Bonjour madame. Ah, c'est vrai que t'as plus Dieu. Bah après, hein. Oh! Petit chien! Bonsoir, petit chien! Ça va? Ah. Oh putain, il a pratiqué le moonwalk! Ok. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux une autre? Attends. Est-ce que moi j'y reviens? Attends, une tension, hein! Elle est où? C'est bon, elle est encore là. Si elle avait pu être là, là je me serais chié dessus, mais non, c'est bon, ça va, c'est pas un problème. Corgi, are you okay? Corgi, are you okay? Are you okay, Corgi? You'll be hit by, you'll be struck by a smooth criminal. Je me suis mis des claques trop fort. Ah bah ça y est, on commence à rentrer dans Silent Hill. Le couloir a sucé le chien. comme quoi, il se passe vraiment des choses très intéressantes dans l'univers des indie games. Alors on a fait un jeu, c'est un peu comme Silent Hill, sauf qu'à un moment, ça suce un chien, ok? On a le droit? Chef, on a le droit? Si je me fais poursuivre, je m'encule tout seul. Venez, j'achète une cam Logitech. Vous avez remarqué que j'ai pas regardé sur les côtés? C'est, oui, voilà. Mais ça, ah là là là! Ah non, ça par contre, faut pas faire ça, hein. Faut pas couper la lumière des copains. Parce que d'une, ça se fait pas. Et voilà. Venez, j'achète une cam Logitech. Juste pour que je vous montre comment je m'encule tout seul. Je peux prendre ça? Chapon, c'est vrai que c'est bon le chapon. Non, c'est marqué quoi? Caron peut-être plus que chapon. Et que Caron est plus impressionnant qu'à chapon, mais après je... All hope abandon ye who enter here. Ok. Ah la 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 la. Je n'ai pas peur. Chari, charon, patapon, charon, chari, skibidi, skibidi, pipi, skibidi, baba. c'est pour toi, Spider, ça. Elle est pour toi, celle-là. Casse dédi. Je vais me faire taper. Am I going to get tapped? I seem plus en one. Qui clepse? Le clef, il a plus envie de répondre. Si je me retourne et qu'il y a quelqu'un, je vais me chier dessus. C'est pour ça que j'ai pas envie de me retourner. Et puis j'aime pas ce genre de chanson là. Oh là 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 là, c'est quoi? Ouh là 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 là, que sont ces bruits? Que sont ces bruits que je ne saurais entendre? Sprint accroupi ou allongé, je sais pas ce que t'es en train de foutre. Ah ah, y'a quelqu'un! C'est quoi? Y'a un truc, y'a eu définitivement un truc. Ah, c'est bon, j'arrive chez les clochards. Ça va les gars? Ah bah vous faites un petit truc Hellraiser, c'est cool. J'ai pas tout vu hein, mais je peux vous raconter la première saison moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là un moment. On va rester là un moment et puis on va boire un peu de coca histoire de... Oh. Il rate les trucs, je suis triste. Mais non, mais sois pas triste, t'inquiète, tu peux y jouer si tu veux. Hein. Le jeu il est pas très cher, je crois, donc vas-y. Vas-y, fonce et puis ne loupe rien, toi. Bon, ok, vous voulez que je vous montre, j'ai les couilles? Ok, allez, on va jouer le viriliste. Allez, tu sais quoi? Nous, c'est quoi? Nous, c'est la méga force. Tu crois qu'on a peur des trucs, nous? Non, je crois pas. Non, je vais pas sursauter une seule fois. Ah, y'a quelque chose? Non, y'a rien. J'aime bien boire de la bière super forte, genre la Guinness et de la boue, mais je m'en fous. Il est où, mon chien? Ok. J'aime pas quand mon propre chien me fout des vents. Je crois qu'un des sons les plus jolis de l'histoire, tu vois, c'est quand tu rentres chez toi. Après l'école, parce que t'es en CM2 forcément, je suis pas allé au-dessus,
et que quand tu ouvres la porte, t'entends les petits. De ton chien, tu sais, sur le parquet. Ton chien, il t'a entendu rentrer, il est ouf, tu sais. Oh, j'entends des choses, j'entends des choses. Waouh, 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 oh là là, c'est Lilou. Mon bébé, tu es si doux. Une flexion. Ah, il est marrant, lui. Putain, culé d'Aliel. Cassez-vous. Putain, c'est Mark Zuckerberg. Je savais. Ah, les hommes crabes. Je crois pas, non. Tu veux voir. Wow, wow, je veux tous vous, Kenny. Mais non, il n'y a pas besoin de courir, ils étaient derrière des barreaux. Tout porte à croire qu'ils vont y rester. Ah. Ça va, les gars? Vous avez tous des physiques atypiques, hein. Est-ce que vous voulez que je baisse un... Voilà, c'est quoi? Voilà. Est-ce que c'est mieux pour vous, là? Putain, mais il est super fort, le jeu, là. Est-ce que comme ça, c'est bien, là? C'est beaucoup trop fort. Là, c'est mieux, quoi. Ouais, c'est mieux. Là, je pense qu'il y aura difficilement plus fort que ça. J'ai juste envie que vous profitiez quand même de l'atmosphère sonore. Qui est quand même super bien. Ah, il y en a un qui a réussi à s'extraire de sa condition. Ne soyons pas aussi procéduriers. C'est pas grave. C'est quoi, je vais l'enculer. Je t'ai dit, j'ai le sledgehammer de Triple H. Je m'en fous, hein. Tu te souviens de l'époque où Triple H, il est allé chez Randy Orton, il a pété la gueule. Et puis il lui a pété une porte à coups de marteau. Pourquoi Triple H, il a pas une hache? C'est complètement con. Parce que tu l'aurais appelé triple marteau, bah là j'aurais compris, mais triple H. Ou alors 3 H. Puis après il jongle avec, ce serait son power move. Un peu comme la Vénus de Milo avant qu'elle ait plus d'armes de bras. Je parle en franglais, j'ai dit armes au lieu de bras. Ok. Ça me fout le motion sickness, c'est vrai. C'est con, hein. Comme ça va? Ouh. Bah mousse. Pourquoi quelqu'un a parlé du thème de Hawaii Five-O par contre? Wouah, la vache, c'est Dusk. C'est Dusk, sauf que tu enlèves le côté Quake. Je vais me faire chasser, c'est ça? Faire chasser dans le dos. Double dos, double dos. Picup. Oh, j'ai eu un gun. Ouais, alors là, je vous attends, les mecs. Alors là, mon gars, vous m'avez filé un gun. Ah, bad move, motherfucker. Je suis shaft, moi, je t'encule, hein. Ok. Je me souviens de l'époque où il avait un bras dans le plâtre et qui s'en est servi pour éclater Orton, je crois, et après, il avait sorti un sledgehammer dessous une table. Oublie pas, Ruru, garde-en une pour toi. Mais c'est pas des zombies, si? Non, c'est des genres de... C'est les hommes compotes, en fait. C'est eux les véritables pompotes. The true pompotes were the pompotes we did along the way. We made along the way. Bow before you pompot god. Pompote à l'envers, pompote sans les yeux. Pompote dans les égouts. Et je bouffe ton chien. Je sais pas par où je vais, mec. J'ai l'impression que je vais pas du tout au bon endroit. Attends, je crois que je me suis foiré. Alors là, par contre, ça va être fun. Parce que je vais littéralement tout louper et je vais me paumer à un niveau post-subliminal. Attends, c'était bien là-bas. Y a pas du tout de continuité par là, là. Oh. Oh, un œil. Non, y'a que dalle. Bon, bah, tant pire, hein. Un sens d'orientation à toutes les preuves. Ça a toujours été plus ou moins mon truc, ça, le sens d'orientation. Après, je sais pas si tu doutes. Mais pourquoi quand je passe là, il y a un genre de lumière orange qui clignote, non? C'est ou je suis fou? Non, je suis peut-être fou. Mais en fait, il y a un truc gigantesque qui passe là-dessous. On est d'accord que ça, c'est un genre de tapis constitué uniquement de viande. On est... Non, c'est quoi? C'est de la flotte? Oui, c'est ça, c'est le verre dans Man in Black 9, Foxy, on est d'accord. Avec sa petite fleur au-dessus de la tête. C'est du soufre. Ah, d'accord. Bon, bah, ça va. Non, c'est moi qui souffre. Ah, il est marrant, Russian. Petit chien. Oh. Il est réel?
C'est quoi? Pourquoi ça fait ça? Mais mon chien, il était possédé, j'y peux rien, moi. Ah bah voilà, on se casse. Et voilà, et c'est fini, mon gars. Et bah voilà, faut pas s'emmerder. Bah, allez, on se casse. Ah bah voilà, t'es là. Allez, on rentre. Mais ça... Oh, pauvre petit... Non, non. Captain Mittens. Ah non. Est-ce que c'est le midi le moins fort du monde? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon son? Bah, y a un problème, on est d'accord. Celui-là, il est mieux, peut-être? Non, c'est juste de la merde. Dommage. C'était bien, hein? Je le referai jamais. Non, non, vous inquiétez pas, je vais recommencer quand même. Je vais le recommencer. Qu'est-ce qu'on fait? On... You chose this. Bah ouais. Mais non, non, mais... Dans tous les cas, je suis dans un genre de Comment on appelle ça, déjà, si je suis dans les égouts, c'est qu'il y a un problème. D'une, si je vois un être vivant, je lui tire dessus. Yeah, on est bien tous d'accord. Mets-lui un dos dans le pétou pour vérifier s'il est mort. Et c'est marqué quoi sur le côté, du coup? Attends. What do you think would happen? I don't know. You can't. Alors, en tout cas, je l'ai Wendig. Ah mais en plus regarde, la route elle est ni faite ni à faire, ça se finit jamais comme ça une route, je suis désolé. Comment on fait pour recommencer? Comment on procède? I shot the doggy, but I didn't shot the deputy. Je peux pas ouh, she's dying. Non, je sais pas si elle est pas dying, elle est dead. Comment je fais pour me casser? J'aimerais recommencer s'il vous plaît. Comment on est... Comment... F13 Putain, je suis claqué, quoi. Ah, le coup du Alt F4 pour ouvrir la fenêtre, quoi. Ah, putain, je suis claqué. Bah voilà. Ah, la vache. You escape the confines of the sewer at a cost. You've rejected your journey. The world around you feels smaller. Your fears have only grown from your experience. D'accord, CTRL W. Ok, bah c'était bien. C'était bien. J'ai bien aimé le moment où il y avait un... Ah. Oh, non. Ah, c'est... non, tu t'en vas. Au revoir. Ok. On peut speedrun. Ah, attends, il y avait quelqu'un pour le corgi. Backup dogs. Doug, Danny, Backup Dogs, Roxy et Angie. C'est quoi? Pourquoi il faut des Backup Dogs? Ton chien, il est mort en plein milieu? Eh, hey, viens, on enregistre plus de voix. Non mais attends, il faut mon chien de secours parce que le mien, il a pété sur la... Mais tu sais changer de chien, toi? Bah oui, bah j'ai mon cric, donc on peut y aller. Hein. C'est le chien dans Jojo. Comment il s'appelle déjà? Qui mange du chewing-gum ou je sais pas quoi, là. Tu peux pas faire continuer? Bah, parce qu'on recommence, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Recommencer ou continuer? Il va tout se retaper. Bah, et alors, on recommence? Il est con ou quoi? Ah non, on va speedrun. Allez! Allez, fonce! Fonce, nuage! Ou je sais plus quoi là. Fonce, tempête! Vol, tisse-toile! Shazam! Vol Pépito. Allez, va. Les chiens, c'est comme les enfants, ils doivent avoir du temps de repos entre les prises. C'est dégueulasse ce que tu dis, non? Je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est vraiment très dégueulasse ce que tu dis? On est d'accord. Et ouais, il y a toujours une guerre littéralement sans merci entre Streamlabs et Moobot. Ça va au niveau du lag? J'ai l'impression que je suis en train de perdre des frames. À cause de ma superbe connexion, comme d'habitude. Je suis en train d'enculer le chien petit à petit, non? Non, c'est bon, il marche en même temps que moi, c'est bon. C'est ok? Ok, bon, si c'est ok, ça va. Et du coup, c'est quoi? C'est un autre chien, ça, ou c'est quelqu'un? J'arrive pas à voir ce que c'est, en fait. On dirait un genre d'alien.
plus il s'appelle Jonde. Bap. Skibidi bap. Je peux pas le mettre modo Streamlabs, mais si, normalement on peut. C'est bon, il boite pas encore. Oh non, petit corgi. Ça c'est pas d'enculer les corgis, je vous l'ai déjà dit les mecs. Les corgis c'est fait pour les câlins, c'est pas fait pour le zizi. C'est pour ça que ça rime d'ailleurs. Corgi, corgi, non zizi. Eating sugar. Yes papa. Ok, moi je trouve on dirait une meuf. Bah je sais pas trop comment tu la vois parce que j'ai l'impression juste un genre de masse gélatineuse. Après, ça peut être. Ça, si tu connais des meufs qui sont des masses gélatineuses, moi je m'en voudrais de faire obstacle. Un staff noir et blanc sur la fiche, j'y connais rien en chien. Bah ta gueule. Bah, Panam. Ah oui, ça c'est un American Staffordshire, ça. J'y connais rien en chien. Ah, mais ça c'est un berger des Pyrénées, ça. Non. C'est un malinois? Oui, voilà. Mais c'est le nom français, je crois, malinois, non? Je connais que des masses gélatineuses. Ça va, Reddit? Ça va, etc. Je suis maintenant en train de chevaucher mon chien à l'attaque! Une journée rouge! Ah là, c'est là qu'elle va tomber, non? Chop-lap! Tu vois ce chien, s'il s'appelle Pepito ou un autre nom à la con, c'est normal que tu veuilles le sauver. Mais appelle-le Rommel ou Nafissatou Diallo, ben là t'as plus trop envie de le sauver. Mais quel est le but? Enfin, je comprends pas pourquoi t'as envie d'appeler ton chien Rommel. Justement pour pas avoir à le sauver, il faut un genre de ticker, psychologique pour pas sauver ton kleps. Mais là t'as un gars équilibré toi. Quel acting ce chien. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un backup dog. Voilà. 0323, vos gueules, mais c'est quoi ce délire là? Vous savez, vous êtes tous devenus fous quoi? Bande de marteaux! Moi j'ai eu plusieurs kleps. Il y a eu. Je vais vous faire tous mes kleps. En premier, il y a eu Pépette. Quand j'avais 3 ans, c'était un genre de merde. C'était un genre de merde noire et blanche. Ensuite, on a eu Meiko. Et Pam et Julie, c'était des merdes aussi, mais pas noire et blanche, plus couleur caramel. Ensuite, on a eu Margot, et c'était une merde aussi, mais plus caramel aussi, mais caramel foncé. Et ensuite, on a eu Nathan et Vicky. On a eu pas mal de chiens, ils sont tous morts. Où est mon Sledgehammer? Donc ça, on peut pas l'utiliser, on est d'accord. We can't... Whoa. Can't touch this, ok. Quoi? J'aime pas! J'aime pas ça! Voilà. C'est pour lui expliquer comment ça se passe parce que. Drew Danable. T'as voulu filer des prénoms ultra communs, vous êtes pas wacky. Ah, excuse-nous, Spooky, hein? Tu veux pas l'appeler Gangnam Style non plus? Quel connard ce mec! Ça, c'est comme les gens qui vont avoir... Ça, Spider, lui, quand il va avoir un gosse, il va dire « Non, mais moi, je vais pas aller filer le prénom que tout le monde donne. Non, Lucas et tout, non. Moi, je vais l'appeler Clarissy. C'est un mix entre Isadora Duncan et Khaleesi. Ça s'écrit K-H-L-W-A-2-R-A-T-R-T-S-K. Mais rien ne se prononce. Ça se prononce Ahmed, en fait. Allô? Ah. Moi, mon chat, c'est le chef de la résistance dans Total Recall. C'est ça son nom? Genre chef de la résistance dans Total Recall ou il a quand même un nom? Quand même, enfin, je sais pas. Je veux pas critiquer tes choix, je m'en fous. Hein. J'appellerai pas Nico en tout cas. Bah, tu m'étonnes, t'as pas de goût. Forcément, tu vas pas l'appeler Nicolas. Nicolas, c'est un nom sûr pour des gens qui ont des bons goûts. Tu vois, Nicolas Canteloup, Sarkozy, Tchaïkovski, qui est d'autre? Il y en a plein! Soral, voilà, Nicolas Soral, il y a qui? Non, il y en a plein. Nicolas Duguay-Trou de Balle, très connu d'ailleurs.
Mais y avait pas un... Ah bah si, voilà, il s'ouvre maintenant, ok. C'est bien ça, il y a quand même des trucs rigolos qui se passent. Je vais l'enculer, la clocharde qui va me foutre des coups de surin, regarde. Elle va venir là. Ouh la vache, elle rabille quand même. Ha ha. Ha. Hii. Eh mec, tu la connais l'histoire du conquis, non? Ouais. Nicolas Canta, Nicolas Carlos, il y en a plein des Nicolas. Là, connu. Ok. Allez, c'est reparti pour la panique. C'est la panique. Panique partie. Tant qu'il y a de la fraîche. Y'a du zizi, Nicolas Hulot, voilà. Mais oui, c'est un nom connu. Alors que des Teddy, y'a qui? À part Teddy Roosevelt, qui était pas le meilleur, hein, si tu vois ce que je veux dire. Teddy Roosevelt, d'accord, il a une moustache, mais il a pas enculé Monica Lewinsky, que je lui ai dit. Teddy Riner, waouh, super, le mec qui fait les pubs pour les bagnoles. Wouh, top. Waouh. Ouais, il arrive à faire péter les boutons de sa chemise, top. Ça, c'est bien, ça. Bravo. Bravo, Teddy Riner. Teddy Goebbels. 0323. Va falloir que t'arrêtes, toi, mec, hein. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ted Bundy, il s'appelait juste Ted ou Teddy? Obi-Wan Ted Bundy. Toi, tu vas retourner avec ton PD du grec faire la voix de Sarko. Ton PD de grec? Ton PD de break? Ton PD de break? Grec. C'est qui mon PD de grec? Cantelou, il est grec? Non! Non, il est pas grec, Cantelou, en plus. Tu vas pas rajouter le fait qu'il est chauve imitateur sur TF1 en plus d'être grec? Ah oui, Nikos Aliagas! Mais j'y peux rien si moi mon prénom il veut dire victoire au peuple. Quelque part je suis un. Ah! Quelque part je suis un. Déjà, je suis en train de me chier dessus d'une. Et voilà! Nikos Aliagas, il est pédé. Non, c'est pas directement parce qu'il est grec, il est pédé. Or, alors bravo. Bravo les mecs, hein, l'ouverture d'esprit. Je ne vous applaudis pas. Il va venir, t'as vu, je me cache encore ici. Hein, parce qu'en fait, c'est quelque part, ça me fait peur. J'ose pas l'admettre, mais Obi-Wan Condendit. Nicolas contre Loupopoulos. Ok. Allez, c'est Tipar pour la deuxième partie. C'est rien. Je suis bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Ne détournez pas mes propos, je n'ai jamais encore sucé de Chibrax. Faut voir après, comme on dit, je suis pas pédé, mais 20 balles, c'est quand même 20 balles. Et 20 balles, à LMF, avec 20 balles, on fait pas mal de trucs quand même. Hein. Alors c'est pour ça, s'il faut sucer les teubis pour LMF, j'ai envie de dire quelque part, let's go. Hein. Tant que ça touche pas à ma dignité. Faudrait voir s'il y a un moyen de save aussi. Alors pas là, mais il y a peut-être une salle prévue à cet effet, non? Tant que les couilles se touchent pas, c'est pas pédé. Exact. Et que le pétou est intact. Tant que t'avales pas, c'est pas pédé aussi, il paraît. Donc ça va. Retenez bien, ça pourrait vous sauver la vie, les gars. On sait jamais. Ouh! Comment? Yeah. Yeah. J'ai changé les settings des alertes parce qu'on avait tout le temps Papa Joestar. Enfin, Papy Joestar, en fait. Et ça me saoulait, du coup, j'ai changé les settings. Normalement, on devrait avoir les autres aussi que j'ai faites, que je me suis fait chier à faire. En tout cas, merci, Alexander, pour le resub. Merci beaucoup, mec. Ça me fait chaud au palpitant, comme on dit dans les années 60 à Paris. Ça me fait chaud au palpitant. 0323, mais non, vous allez tous devenir tarés, en fait, c'est ça votre problème. Hop, on va récupérer le gun. Pardon, qui prend la mer. La mer, qui prend la mer. La mer, elle est partie. Avec. Bah, je comprends pas, en fait, le gun, il nous arrive... Bon, je vais garder le sledgehammer au cas où j'ai pas envie de refoutre une balle dans mon kleps, ce serait con. Ça me fait chaud au pimpita. En parlant de grec. Mais regarde, c'est clairement un démon, ça.
J'ai pas pu perdre. I cannot lose. Ah, c'est une salle de save. Comment? Oui, les Sims. Non, Castlevania, voilà. Ah, yes. Yes. J'entends une chanson. Quelle est cette rêverie qui m'atteint? Oh. Quelle est cette rêverie qui m'appelle? Qui me sonne? Ah. Ah. Ah, et puis tu viens vraiment de la voix 9¾ en plus. Quoi? Hein? Quoi? Mais dans quel but? Ok. Vous allez voir vos gueules, mon gars. Je vais tous vous enculer un par un. Vous avez de la chance, j'ai que 10 balles. vous avez, j'ai que 10 balles, mais je peux enculer une fois 10 d'entre vous, ou alors enculer un 10 fois, alors faites très gaffe, hein. Moi, j'ai pas peur du mec qui a enculé une fois 10 personnes, mais qui a enculé 10 fois une personne, hein. C'est ça le... Attention, hein. Moi, c'est Bruce Lee qui a dit, donc c'est... Voilà, ça vient quand même de quelqu'un de sérieux. Ah, bah le tromé. C'est pas mal, le tromé. Checkered Lamb. Trash, please. Ok, c'est très mimesque. Lady Dragonia, Josh Bushell, Non-Stop Disco, Dragon Killer, Edge. Oh, c'est moi, lui. Edge Oliverio. Neko no Kage. Ah, c'est Spider, ça. Sumimasen, Teddy-san. Oh! Enfin, ouais. Enfin, un peu de bouffe. File-moi un cracker. File-moi un croque, monsieur. C'est Yadar qui a maté Naruto, pas moi. Il a pas maté Fairy Tales aussi? Bah écoute, on peut pas tous non plus accéder à une conscience supérieure en matant Terrace House, hein, j'ai envie de dire. Ça se prononce Kroken. Ah. Wow! Non, petit chien! Écoute pas! Je vais te retrouver, mec! Je vais t'enculer. C'est quoi? Train office. Ah, ça fait extrêmement peur. Ok, faut que je retourne au bureau en haut, là. Sumimasen. Oh my, wa lost my dog, Odess. Chope le tromé, il va châteler. Season closed. Ok, c'est quoi? Y a du truc à read ici ou quoi? Relaxy. Ouais, je sais. Ça me déstresse pas du tout, en fait, le changement d'environnement. Je crois que ça bougeait. Je croyais que l'intérieur de la truc bougeait. Open the station. Ah. Eh, t'as des jeux sur ton PC. T'as des jeux sur ton téléphone. Je peux jouer à Doodle Jump. This doesn't make any sense. 72U. 72U, les gars. 72U. Ou 72V. Non, je sais pas. 72U. C'est 2V, c'est 2U. J'en sais rien. Attends, les gars, il y a l'Algérie, Sénégal qui va commencer. J'habite à Saint-Denis. Ouh. Ça va être bien. Et j'avoue que chez moi aussi, ça chie un peu. Est-ce que c'est Spooky's House of Jumpscare? Oh putain, ça vient de là. C'est les mêmes créateurs ou quoi? Que Spooky's House of Jumpscare? Lose it. But you should fix it, die it. The trick to stop all eating. Doctors hate him. Ah, KWW6. S'il fait du porno avec Sonic. Oh, Brasil! Un brasileiro! Ah, mais il vient du Brasil! Putain, il dessine comme une merde. Non, si... Non, ouais, non. Il dessine pas bien du tout. C'est pas top, ce qu'il fait. Vraiment pas top, quoi. N'importe qui d'entre vous pourrait faire ça avec un peu de temps devant lui, vraiment. Et o Brasileiro? Um caralho. Bon, c'est de la merde. Tant pis. Le dernier jeu de Kira... Bah voilà, Spooky's Have Some Jumpscare. Spooky's Jumpscare Mansion, ouais, c'est exactement pareil. Donc c'est bien ça, d'où le petit...
Le retour sur investissement, quelque part. Ah! Ah ah! Eh, j'ai joué à Dead Space 2, je sais qu'on va venir m'enculer, hein, donc ça me fait pas trop peur. Ah 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 ah! Si, j'ai déconné, ça me fait vraiment peur. Non, non, si, ouais, ça me fait flipper. Ah 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 ah! Ouh ouh ouh! C'est dommage parce que j'aimais bien les jeux vidéo à la base. Ah, non, la lumière. Ok. Parce que les jeux vidéo, genre, théoriquement, j'aime bien. Et il y a certains en pratique, j'aime beaucoup moins quand même. Tu noteras. Note-la, gars. Note-la. Genre, il y a des places assises. Ah, t'as vu, ils sont vraiment pas ouf ces dessins. Et là, faut que j'avance? Ah oui, faut que j'avance, d'accord. Y'a pas un petit texte que je pourrais lire pendant une demi-heure? I can't see inside. Who is conducting the train? I'm the trash man. Eat garbage. Bon. Ah ah ah, ah là là. Aïe 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 aïe. Y'a une demoiselle qui a mangé le train dans la gueule. Je me suis chié dessus. Ah! I don't want to go! I just want to stay on this train! I want to stay in the dark! Where no one can see me! You're fucking reprobate! You're fucking wanker! You're goddamn right, Emma! Oh! Ouh! Allo? Il y a vachement plein de portes! Tu peux ouvrir maintenant? Est-ce que je vais manger un petit jumpscare ou c'est juste pour déconner? J'ai cru qu'il y avait des cris dans le jeu, mais c'est dehors. C'est peut-être moi aussi, hein. Pas du principe que tout vient de dehors, parce que je suis prêt à hurler, là. Honnêtement, je suis prêt à hurler, là. Tu sais quoi, je vais retirer un écouteur, ça fera peut-être moins peur. Non, ça fait autant peur. Honnêtement, hein. Chez moi, ça chie aussi. Mais j'ai fermé les fenêtres exprès, pour pas que vous ayez le bruit de dehors, mais ultimement, j'ai envie de dire, ça va chier chez moi. Ça va chier. Pourquoi, il y a eu un but, c'est ça? Salut Aiden. T'es pas au lit encore toi? Incroyable ça. Il est insolent ce gamin. Qu'est-ce qu'il y a ici? On dirait une map de SWAT 4 en fait. Oh là mec, non non non, je vais me paumer de ouf. Ouh! Ah! Ah! Ah, j'adore ce truc-là, mec. Ils ont marqué quasi le départ, mais lesquels? C'est lesquels des blagues qui étaient avec nous? Ok. File-moi un énorme gun. Midnight. It's an old game called Midnight. D'accord. Donc t'as fait ton petit plug, c'est cool. Ouais. Eh ben, c'est intense, hein, quand même, mine de rien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais vomir mon coca, en fait, si je continue. Les Camerounais. Mais c'est quoi? Attends. 1-0 pour l'Algérie au bout. Mais c'est l'Algérie contre qui, en fait? Les Algériens, ils sont de chez nous? C'est lesquels qui sont de chez nous? Algérie versus Sénégal, mais attends, mais ils ont déjà pas à bouffer, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec une coupe? Ah non, c'est les petites blagues et quoi. Eh, Dieudonné, il fait les mêmes, hein, je m'en fous, j'ai de la famille N'Djamena, alors je peux littéralement... This whole station is just broken, lines are run backwards, access panels are hard to get to, and sometimes the power just cuts. Since this is considered a bad part of town, this funding for the station was minimal, and most of the construction was done by local residents. To top it off, the last maintenance guy messed up everything. He told me when he left to keep every light on and to either redirect or send off any trains that arrived. I've made several attempts to fix the electrical problems, but it's so bad I don't think I'm getting anywhere. So I'm leaving, this job just isn't worth the hassle anymore. Yes, top. Salut Poons. T'arrives au moment où, eh ben écoute, mon futal est plutôt sec. Pour l'instant, j'admets. J'admets que c'est plutôt sec. Oh. C'est incroyable qu'un jeu est tellement low cost, arrive à te faire plus flipper qu'un jeu d'horreur AAA. Ouais, mais c'est pas non plus les mêmes...
C'est comme on dit, c'est pas les mêmes buts non plus. Est-ce que c'est littéralement du rule 34? C'est une teubi là ou pas? Je m'en rends pas compte. Image the dream. De quoi? On dirait un tatouage qu'un mec qui parle pas du tout anglais a voulu se faire sur le dos. Image the dream. Only God can be of the judges. Royal Phantom Construction. On est où là? On est là nous? Attends. Non, nous, non. Non, attends, on est. Je sais pas. Arrête de parler anglais, c'est chiant. Casse-toi, connard. Tout ce que j'en. Ah, mais oui, non, mais je peux le prendre. Ah, voilà. Ouais, con, on est où? Yes. C'est pas plus clair. T'es à la ligne noire. Ah, non, ça brille, c'est bon. C'est bon, j'ai, je suis en bas. Prends la carte, maudit. je suis en bas, ok, d'accord. Donc ensuite, il faut que je remonte. Et que... je sais pas où faut que je vais, moi. Ous. If the power goes out of the tracks, you have to reboot the whole system. In order to do that, go to each section and turn off the breaker boxes, then come back here and start the system. Yes. Donc j'imagine que les breaker boxes, c'est les petits carrés rouges. Je vais me chier dessus. Non, en fait, il y a une zone bleue, une zone jaune et une zone rouge. La zone jaune, c'est la petite zone qui est à droite, zone rouge tout en haut, zone bleue à gauche. Et il y a trois breaker boxes, en fait, enfin, il y en a une dans chaque, et il faut que je les trouve une par une, et voilà. Et voilà. Ça va vraiment pas le faire. Donc, il faut que je sorte. Ensuite, je sprint. Ok. Ça va le faire. Tranquillou. On va y aller, on va pas se stresser. Mais attends, je suis pas du tout là. Si? Mais y a pas les bonnes portes là, y a pas deux portes là. Ah mais c'est parce qu'il est, il est plus à... Ah putain, le plan il est plus bon. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait le mec. Le plan il est plus bon du tout. Ah. Ouh. Waouh. Ah. I want to make a decision. I want control back in my life. I want to matter. Everybody just make choices. Just makes choices for me. Maybe I'll find some place where I can be happy. Some place dark without people to remind me how ugly I am. I'm sorry. I'm so sorry. Ooh, from the bottom of my soul. Cause I stuck it in the wrong hole. Nani kore? Oh putain, je suis vraiment pas bien. Yes, là, c'est parti. Oh, putain, on s'en va ou bien? Oh, comment tu parles à ma sœur? Ok, je vais essayer d'aller voir dans la section jaune avant. C'est le 16e. Non, c'est lequel, le quartier avec tous les Chinois? Je voulais faire une blague raciste. C'est lequel? C'est le 14? Le 16? Le 13? Non. Je sais plus c'est lequel. Judge Ni, le quartier chinois c'est le 13e, d'accord. Ok, alors le problème c'est que maintenant qu'ils m'ont filé une carte, je vais la checker littéralement toutes les secondes. Allô? Ah non. Ici alors? Allez, le RERB. Voilà. Et merde. Je veux partir. C'est juste là. C'est juste là. Pourquoi c'est comme ça? Non, je veux partir. Je veux plus. Putain. Non mais je vais encore tirer sur mon chien et on va devoir recommencer tout le bordel là. Putain. Ouais, non, le jeu, il va durer plus de 3 heures, ça, c'est clair. Ah, mais on voit du ciel, dehors. Ah. Vous êtes enfin là, vous vous êtes trouvé, tonton Focus. Eh, le pire, c'est que dans l'âge de glace...
Non, je suis désolé de vous rappeler les problèmes vraiment qu'on a en ce moment, mais je sais que vous venez ici pour l'escapisme et pour un petit peu, voilà, penser à autre chose. Mais il y a quand même un vrai problème dans l'âge de glace. C'est que tonton Fogus, il le retrouve même pas! Ça veut dire que tonton Fogus, peut-être qu'il était il était à l'heure pendant la migration. Ouais. Mais en plus, je sais pas pourquoi je viens là, parce que j'ai pas. Tonton Fogus, il était peut-être à l'heure pour la migration dans le premier, mais il va claquer. Il est forcément mort, tonton Fogus, en fait. C'est quoi? Oh, malaise. Oh. Quoi? J'ai commencé le génocide des pines. Oh. Poons, elle est en train de bouffer des Twinuts. Vous saviez que les Twinuts, c'est littéralement top 1 dans les meilleurs petits gâteaux apéritifs du monde. Et je refuserais les Twinuts goût bacon. Je refuserais n'importe quel autre avis qui ne sera pas au sujet des Twinuts, vraiment. C'est le truc le plus stylé de l'apéritif. Même, j'ai envie de dire, mec, alors je veux dire quelque chose qui est incroyable. Là, je vais dire quelque chose limite de politique et j'en voudrais pas si jamais... Mais non. Non. À l'aide. Ah, c'est bon. Ah et je vous en voudrais pas si vous unsub direct, tu vois. Mais C'est meilleur que le saucisson. Non, mais voilà. Mais voilà. Non, peut-être pas meilleur. C'est peut-être pas meilleur, mais c'est plus pratique que le saucisson. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pratique. Genre, je parle de la praticité de la pinote FDP. Non, c'est pas vrai, c'est pas meilleur que le saucisson. Surtout qu'il y a tellement de races, j'ai envie de dire, de saucissons différents, que tu peux pas te faire un amalgame. C'est quoi? Picklock. Ah, nice. Picklock TikTok. J'ai sursauté encore plus que si une clocharde m'avait attaqué. Révolte. C'est une honte. Mais non, mais c'est vrai, les gars, c'est bien plus pratique de bouffer des pinoutes que de... C'est bien plus pratique de bouffer des pinoutes que de bouffer des saucissons, parce qu'il faut le couper, il faut le servir. Les pinoutes, tu prends le paquet, tu fais... Tu mets ta gueule dedans, c'est bon, t'as fini, là. Quand tu me secoues le cadenas comme ça. Merci. Merci beaucoup, Nico, mais il va falloir autre chose. Il va falloir autre chose, vraiment. C'est quoi ce bordel? Oh, le bon beat. On dirait du Nanny Schnells. Will you bite the hand that feeds you? Will you stay down on your knees? Will you fight the hand that feeds you? Will you stay... Ouais, je suis désolé, j'adore Nine Inch Nails. Et quand j'ai vu que cette grosse pute de Miley Cyrus avait repris du Nine Inch Nails dans Black Mirror... Y'a un truc derrière moi. Y'a un truc derrière moi. Secours! Oh! Biob! Oh! C'est transformé en Yadar! Il y en a un deuxième, attends. Je me fais attaquer par Yadar. Non. Non. Non, Yadar. Non. Casse-toi, enfin. Ok. Fonce. Ça va mettre 8 ans. Je vais me faire manger. I'm going to be eaten. Ah. Non. Casse-toi. Tu te tais. Merci.
Allez. Faut juste qu'il me laisse le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime tant qu'il est encore temps. Vite. C'est bon, je suis immortel. Oh non, ok, je vois. Trop marrant ça. Il passe les temps de chargement. Je veux plus. Bon, allez. C'est y par. On continue. Zone rouge. La zone rouge, c'est quand c'est les derniers 10% d'une bouteille quand tu bois avec tes copains. J'espère que vous le savez. Ça peut vous sauver, ça. Hein. Ça peut vous sauver d'un herpès, les gars. C'est quoi? Bloated, disgust, grosse, fat. D'accord? Mais sinon, est-ce que tu peux enlever les tags de mes photos sur Facebook, s'il te plaît? The trick to stop all eating. Diet. Retag was here. Whisper. Ah bah voilà, un tag de Poons. Attends, genre, c'est quoi ici, là? Il y a des salles qui manquent, déjà. Restrooms. Oh, il y a les chiottes. Vas-y, on va chier un peu. La zone rouge, une bouteille, c'est pas chacun sa bouteille. Non, monsieur! Excuse-nous de pas avoir été élevé dans un environnement qui permettait que tout le monde ait sa bouteille. Mais chez nous, on partageait, monsieur connard! Putain, qu'est-ce que c'est que ça, là? J'ai pas... Bah ça, il fallait que tu sois là. Voilà. Non, vous lui dites pas et il fallait qu'elle soit là. C'est... Je vais me chier dessus, c'est ça? Ça va faire boue à la fin. Ça va faire boue à la fin. Bouh! Non, bah c'est bon. Je prends du PQ ou ça fait mauvais genre? Putain, je peux pas fermer. Fais chier, tiens. Je peux pisser. Vous vous souvenez de la photo du mec qui avait mangé un petit, les petits gâteaux qui sentent bon dans les urinoirs, là? Mais qui n'ont pas un goût top. Quoi? What's happening here? I don't say. Non, mais tu sais quoi? Vas-y. Non, mais vous voulez que j'ouvre, c'est ça? Est-ce que vous voulez que j'ouvre ou vous voulez que je me casse? Parce que ça, j'ai pas... Je suis pas le... J'ai pas... Enfin... Dans le principe. Dans le principe, j'ai rien contre les chiottes. Mais non, mais en tant que mec, si tu veux, je pense que c'est un peu des... Oh! Ok. I don't know what to do! I'm not happy! I'm so ugly! And everyone treats me like I'm not even real! There's so... Je sais pas pourquoi c'est... Comment il s'appelle? Le Joker qui parle, mais... Déjà que ce matin, t'avais pas foutu le lait au frigo, maintenant tu veux pas me répéter les trucs. They're so pretty and perfect and they all have friends, but I'm just... here. What the fuck is wrong with me? Ah, écoute, Evanescence, elle fait pas chier, c'est tout. J'ai entendu un bruit, non? Allô? Subject to en force. Ouais, PSG en force. Ok, c'est tout ce qu'il y a ici? C'est littéralement tout ce qu'il y a? Ok, il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Ça dépend, les oranges, ils sont bons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Moi, j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas. Ça m'énerve. Allez, franchement, mec, t'as un putain de marteau, défonce tout ça et casse-toi. Je t'en supplie, tire-toi une balle. C'est quoi? C'est l'insecte le plus... C'est l'insecte le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Cassez-vous. J'aime pas... Ah, c'est bon. J'aime pas ça, les bêtes. Oh là là, je vous ai déjà dit que j'aimais pas les bêtes. Ah putain, que ça vole pas, que ça rampe, que ça saute. Ah, les sauterelles, les coccinelles, tout ça. Je te balance ça en feu, moi, mon gars. Direct. Le chat dans le four. Ça, c'est fermé. Personne n'aime les bêtes. Si, il y en a, ils s'en foutent. Pouce, genre, elle touche les coccinelles, elle touche les papillons. Non. Mais même moi, les papillons, mais tu m'approches pas avec un papillon, mec, hein. Non, il faut pas, hein. Ça me rend violent, il faut pas faire ça, hein. Non, c'est pas mignon, c'est les erreurs de la nature, c'est tout. Les animaux, il faut que ça fasse minimum 5 kilos, sinon je ne suis pas considéré comme des animaux.
Les coccinelles, c'est peaceful. Non, mais ouais, mais les bourdons, et ces petites salopes d'abeilles, là, hein, et les papillons, et vas-y, que je me transforme en chenille, ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Tout cramé, mon gars. Tout cramé, mon gars. Saloperie, là. It was a slow day when it happened. Only two trains even stopped here, and I didn't see her until it was too late. I heard her sobbing as she walked down the tracks. I wanted to run and save her, but I couldn't hear the train. I just waited and listened. She must have regretted it at the last moment when I heard her scream. J'arrive pas à lire parce qu'il fout leur point n'importe où. I can't stop her. She passed through the walls. All I can do is wait and listen. Bon bah j'imagine qu'elle va essayer de revenir me péter la gueule. C'est ça le délire là, la meuf qui ressemble à un mix entre un cocon et un paquet de chips. Ils sont cool vos monstres, bande d'enculés. Attendez, avant de fermer, j'ai envie de tester une théorie que quelqu'un a avancée là. Broken, 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 broken. Ok, d'accord. Le seul truc bien des abeilles, c'est le miel, mais il y en a dans les culottes. De quoi? Les abeilles, elles attaquent pas, elles sont rondes et toutes nues. Par contre, les putes de guêpes, c'est lance-flammes. Mais en plus, les guêpes, mec. Donc, tu vois, pour moi, c'est tous des saloperies, tu vois. Les abeilles, je tolère, parce que c'est plus ou moins, genre... C'est plus ou moins loyal, bon, une abeille, tu vois. Elle va pas forcément chercher à t'enculer. Mec. Les frelons et les taons. Je sais que tout le monde dit taon, mais je dis faon et paon, alors je vois pas pourquoi je me ferais chier à dire taon. Les putains de taons, c'est des salopes. Mec, ça te cherche délibérément la merde, les taons. Ça, les taons, ça vient, ça fait poteau, tu veux du crack. Tu sais que tous les taons, par définition, ils sont dealers. Mais ça, les gens, ils osent pas en parler. Ça leur fait peur. Je suis en train de sprinter ma grosse vie. Ok. Il fait quel taon dehors? C'est trop marrant ça. Ok, donc là, il y a grosse manifestation là-bas. Ok. Il faut que je monte. Et ensuite, je vais repasser par la voie. Je suis la voie. Les taons sur mes ancêtres, la peau de tes morts, j'y suis. Non, c'est des grosses saloperies, les taons. Les taons, les frelons, les... Une fois, il y avait un insecte. Il était dans mon jardin, sa mère. On était en train de faire du tir à l'arc avec mon père, tu vois. Et genre l'insecte, il ressemblait à un... C'est comme si t'avais... Attends. C'est quoi? Je vais vous le dessiner, ce sera plus facile. Filme-moi ça. Voilà, filme-moi ça. Ça va être plus simple parce que c'est un peu compliqué à dessiner. Heureusement que je suis un artiste. Ok. Donc t'avais genre... Attends, tu sais quoi? Je vais le foutre en marron caca, voilà, comme ça. T'avais un genre de corps comme ça. Qui ressemblait littéralement à une merde. T'avais deux petites antennes qui faisaient pouip, pouip. Et tout le reste, c'était genre comme ça. Voilà. C'était ça, mec. C'est ça qui était sur ma putain de terrasse. Je l'ai enculé avec des flèches au carbone. Je l'ai enculé. Il était là, en train de se balader là, avec ses milliards de pattes. Tranquille, je l'ai enculé. Je suis venu, je fais papa, regarde. Je l'ai foutu en joue, je veux dire. Bah, je lui ai... Mais en plus, vraiment le bandage d'arc à poulie, hein, faut pas déconner. Hein. Tac, dans la gueule, la flèche a été éclatée. Lui, il en restait plus rien. Ça, c'est un scutiger vélos. Scutiger vélos. C'est ça? Scutiger Vélos. Ah, putain, oui, c'est ça. Ah! Ah, la salope! Ouh, c'est dégueu. Ah, la saloperie. Oh, putain, je te l'éclaterai, moi. Oh, la vache. Ah, ça me donne des envies de violence, mec. Non, ça, c'est... En parlant d'envie de violence... Oh putain! Ça, les gars, fallait pas. Hein. Fallait définitivement pas, les mecs. Ah, les scutigères du cul, là. Tu m'étonnes que ça rime avec gougère. Saloperie. Ok. Alors. Voyons voir.
Vous voulez que je vous montre les Scutty Gervelos? Non, allez voir sur Google ce que c'est un Scutty Gervelos plutôt. J'ai pas envie de rouvrir cette truc là. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle chose à laquelle je suis phobique en fait. Hé Ruru, je te disais qu'un soir il y en avait un de Scutty Gervelos sur le mur à côté de moi. Ah, ne m'invite jamais chez toi Arcana. Déjà je viendrai pas, mais en plus m'invite pas quoi. That is a bad nouvelle. Quand je dis que Russian est lié par défaut au calibre 12. Mais je crois que c'est tout... Enfin, le principe du shotgun, je le trouve sexuellement attractif. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, t'enfonces des genres de cylindres dans une ouverture qui est plus ou moins en dessous du gun. C'est super érotique. Ensuite, tu branles un coup et bam, tu tires. Je veux dire, tout est sexuel par rapport au fusil de chasse, tu vois. Et que ce soit superposé, juxtaposé, que ce soit du calibre 12, du 0.0, du slug, c'est super érotique comme arme, c'est tout ce que je pense. Des guns, des double guns, ok. Et du coup, ça se transforme plus, c'est un peu plus vénère en fait que ce que je pensais le jeu. Hein. Moi, je pensais que ça allait être un walking simulator, regardez-moi, je fais de l'art, mais non en fait, c'est un peu un jeu de vénère. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Je suis passé par où, moi? Attends, je suis où, là? Attends, ça... Attends, faut que je reparte par là? Ouais. Mais ah oui, faut peut-être que je cherche les autres wagons. Les wagons, pardon, comme on dit outre-Manche. En Belgique. Les wagons. Wagons! Par contre, quand je suis def en été, j'aime bien mater les lampes anti-insectes. Genre, les tout petits, ils ont sur la lampe ou dans les grilles et on fait des paris avec des potes pour voir qui sera le dernier survivant. Et comme De Niro dans Casino, à chaque fois, je gagne. Waouh! Excuse-nous, Patrick Bruel au poker. Ça, c'est chlassé comme référence, mais. Parce que. Non, mais. Écoute, c'est parce que Patrick Bruel, il est super fort au poker, c'est tout. Voilà, merde, je t'emmerde. Tu cherches ton chien perdu dans les égouts, tu finis dans la station de métro avec un shotgun, t'es au Texas. Évidemment que t'es au Texas. T'as cru que c'est... Mais t'as cru qu'on était où? Babyface gaffre. Bien sûr qu'on est au Texas. Au Texas, même, on dit, d'ailleurs. Ça se prononce Texas, normalement. D'ailleurs, ça devrait se prononcer Petrolette. Je connais, hein. J'étais avec tous les plus grands. Donc, on retourne là-bas, ouais. Faut qu'on repasse de l'autre côté. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Tout. J'adore ACDC. C'était là, je crois. On dit des wagons et des taons. Ah non, j'ai percuté un taon à l'aide de mon wagon. T'aurais pas 90 centimes pour refaire mon pare-brise? Je t'offre une couque. Faut que j'appelle Carglass avec ton GSM. Beaucoup d'armes, mais pas beaucoup d'ennemis. Mais à mon avis, ça va se réguler, ça. Le jeu, il fait 3 heures, je crois. Donc on a encore... Enfin, 3 heures et demie, si tu prends... Normalement, tranquillement, c'est 3 heures et demie. Donc, à mon avis, au bout d'un moment, tu sais, on va en croiser les saloperies. Hein. Ça fait qu'une heure et demie. Hein. Ah! Ah bah oui, mais je t'ai foutu une caisse, mais fallait pas me faire chier. Hein. Ok, j'ai du angel dans la tête. Non. Allez. Oh. Ah. Ouh. Si je me mets à chanter du angel, c'est vraiment tout à fait normal. C'est parce que j'en ai écouté tout à l'heure. Enfin, j'en ai plus entendu qu'écouté, mais... C'était littéralement entre Anthrax et Overkill. J'ai eu du angel. T'écoutes angel. J'écoute... je saurais pas dire le nom. Il n'existe pas sans son contraire. Je l'ai plein de sentiments. Vieux souvenirs comme la DSL. Je me souviens pas du titre. Comment elle s'appelle? Tout oublié, peut-être? Il faudrait tout oublier. Il faudrait tout oublier. Puis un mec dans le fond qui fait... Et je sais pas qui c'est ce mec dans le fond, mais il ressemble à Momo. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut que je retourne... T'es où? Chut, t'encule. Ok. C'est son frère. Putain, elle joue avec son frère. Enfin, elle chante avec son frère. Quel pute. Roméo Elvis. Ah, mais c'est lui. Il a un pseudo tout pété, là. D'ailleurs, j'écoutais aussi du Sepultura. Et par définition, j'aime pas trop Sepultura. Mais genre, tout ce qui est Bloody Roots et tout, tu vois, ça me plaît pas trop. Mais j'ai écouté les premiers albums de Roméo Elvis et Bola Pogba, ce qui
Midi. Mais j'ai écouté Sepultura et j'ai écouté les albums des années 80 de Sepultura et c'est ça déboîte. Tiens, on a des tapas. C'est bon les tapas. Elle est bien la cassette et je préférais les cassettes de MGS5 quand même. Non, c'est fait exprès, hein, je déconne. Ok, et eh bah ben, tu sais quoi? Et ouais, il était bien celui-là. Et... je vais m'en aller. Et ouais. Allez. On se casse. Non. On s'en va, voilà. Allez, on fait la deuxième. Faudrait tout oublier. Pour y croire. Faudrait tout oublier. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Il faut... Attends, je vais foutre du créateur, ça ira mieux. C'est laquelle? C'est Pleasure to Kill. Qui a une des intros les plus stylées à la batterie du monde. On dirait qu'il tape sur des petits pots de yaourt. Écoute. J'adore Creator. Bref, alors, bonsoir. Oh, Annie. Bonsoir. Oh, Annie. Bonsoir. Oh, oh, ça brille. Ouais. Ouais, quoi? Il y a un truc là. Oh. D'accord. Très bien. Oh, il y a un lit. Oh, tu sais quoi? Oh, il y a un truc qui va me courir après, non? Allô? Rue, tu risques d'entendre gueuler chez toi, les Algériens mènent 1-0. Putain, pourquoi il fallait que ce soit les Algériens? C'est plus vénère, les Algériens, en plus. Ah! On dirait le même là, avec les gens ils sont tout déformés. Je vais me chier dessus, c'est ça? N'existe pas sans son contraire. Enfin, faut que j'arrête de la chanter par contre parce que c'est vraiment commencé à me casser les couilles. Faut que je chante autre chose. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Dans un bled perdu sur une route sans issue. Tout le monde. Ouais. Snack bar chez Léon. Oh. Ouais. Ouais, c'est parti. Ouais, dans le toboggan McDonald's. Ah, très bien. Il y a une croix gammée au milieu. Ah, je peux toujours souffler. Il veut pas. C'est un remake de SCP. Non, c'est mieux. Mieux que SCP. SCP, j'adore les trucs qu'ils écrivent, les genres de novels en fait, quelque part, c'est plus ou moins un ARG même. Mais le jeu, je m'en bats vraiment la race, quoi. À un niveau planétaire, en fait. A plus, Marsouin, merci de passer, poteau. Ok, ça, on est d'accord. Les jeux SCP, ils sont éclatés. Ouais, ils sont éclataxes un peu, ouais. Faut admettre. Mais il y en a qui sont vraiment très très cool. DS. Ah, bonsoir! Oh, c'est Nihilante! Je suis sur Xen! Bonsoir! Quel est. Would you call my name? When I'm asking out. The mistake I've made can be turned around. Vous avez compris la référence? Ok, c'est Tipar. Jackie Chan, yes. Non, on aurait dit Death Stranding, c'est pour ça que j'ai commencé à chanter du. Hein. Voilà. Alors, c'est par ici? C'est par ici. Donc il faut que je reboot à partir de cela, c'est ça? Et voilà. Ça, on est bien. Et du coup... C'est quoi, je vais save. Oh, ça c'est bien. Oh, j'adore. Le principe de pouvoir faire des sauvegardes dans un jeu vidéo, c'est quand même ouf, quoi.
C'est quand même quelque chose. Je pense que c'est la meilleure invention qu'on ait faite juste après la binouze. Ah. Ah, c'est marrant, tu résistes plus que tout à l'heure. Ouais, mais non. Donc, faut que je me casse, moi. Mais par quel côté? Par quel côté se barrer? Et d'ailleurs, question. Pourquoi j'ai relancé le truc? Il marchait au début. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand tu flippes pas trop et que t'auras besoin d'une pause, tu mettras tes SMS rue. Oula. Ah, c'est parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai balancé mon téléphone parce qu'il me faisait peur. Ah, bah le voilà! Matrix 3. Oula, il s'arrête bien. Oh, des chaussures! Impeccable. C'est quoi, une petite montre dessus? Non? Non, c'est des lacets. Ah, je sais pas faire les lacets, donc... Je vais descendre! Haha! Oh! D'accord. Moi, je mets que les scratchs parce que sinon, je m'embrouille. Ok. Un métro hanté comme dans Métro. Waouh! Waouh! N'existe pas sans son contraire. Putain, faut que j'arrête. Faut que j'arrête pour toujours. Enemy of God. Ah, c'est mieux. Est-ce que je peux aller enfin voir qui c'est qui conduit? Ce serait pas ma conscience ou une connerie comme ça? C'est pas notre anniversaire de mariage, une connerie comme ça. Je me gratte, c'est bien. Gratter ça. Antisocial. Antisocial, tu perds ton sang-froid! Et tu veux pas que je chante la version de Anthrax plutôt? Anthrax, ils ont fait une grosse cover bien pourrie de Antisocial de Trust. Genre le. Oh! Non, c'est bon. Genre ça fait You're anti! You're antisocial! Ouais, c'est vraiment tout pété du cul, mon gars! Mais bon, c'est Anthrax, du coup, ça va, on pardonne. Qu'est-ce que... Je veux dire, elle a été moins longue, la section, quand même, dans... Oh! Ah ah! Tu ne mourras pas à l'aide de supercherie de telle manière. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Bon, je vais la crash, non? Oh! Oh! Sliders, des mondes parallèles! Something is blocking the way back! It's Canal Plus. Ouais, j'ai l'impression que je me suis fait enculer par un glitch. Bah écoute, c'est pas grave, j'ai pas le décodeur, mais ça va se trouver. J'aime bien la cover. Non. En vrai, la cover d'Anthrax, elle est pas mal, mais je veux dire, elle arrive pas à la cheville de la version originale de Trust quand même. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire, Arcana. Ouais. Oh, ouais. Le manoir Spencer. Ça va les inspirations, sinon ça vous dérange pas? Grand Bulim Avenue. Alors on peut pas dire Bulim en 2019, normalement on dit autre chose. Qu'est-ce que... Grand Bulim. Bulim, c'est rapport à boulimique? Ils ont un problème avec les gros dans ce jeu ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Poudlard. Poudlard. Bah, c'est pas ici la salle de save? Putain, c'est de l'autre côté. Mais il y a une lumière. Putain. Qu'est-ce que j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est... On parlait de la proprioception avec Punch, tu vois. Bah ouais. Ouais, il y a des problèmes. Il y a du mal. J'ai mal au mic. C'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, il n'y avait pas de sang. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est moins ouf que ce que je pensais, Poudlard. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Bah, de sang, déjà, c'est vrai que ça choque. L'enfer de la signalétique. Mais c'est pas les symboles qui dérangent. Alors, faut voir, peut-être qu'en changeant de code. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dois tourner des zizi de... Ce qui est clairement Poléon. Ah, c'est Lockhead, d'accord. Très... 0323. Entre Paco et moi, on arrive à moins 8000. Broken. I'm broken! Oh! Ah, mais il est pété lui aussi! D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, c'est pareil de. Pour. Ah! D'accord, il change en fait de. Ah! Ah! D'accord.
Tu vois ce que je disais sur Sepultura, que les albums des années 80 étaient mieux. Et bah je pense ça un peu aussi pareil pour Metallica. Pour Metallica. Non, évidemment pour Metallica. Pour Pantera. Genre les albums qu'ils faisaient au début, je trouvais ça beaucoup trop bien. Mais qu'est-ce que... Et Macarena. Faut que je le répare peut-être celui qui est au milieu, non? Enfin celui qui est... Non, bon attends, on va voir ça plus tard. On va finir de visiter tout ce qu'il y a et on verra plus tard. En même temps, je suis en train de faire mon critique sur les albums des années 80 de thrash metal, mais tout à l'heure je chantais Angèle quoi, donc c'est-à-dire The door feels hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Oh. Oh. J'ai récupéré de l'acide. Ouh, ça pique. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? Donc pan... Colle ta bite contre la porte. Bois-le. C'est bien les gars, c'est bien. Colle ta bite contre la porte. Ouais, il faut que je nettoie ça, c'est ça? Faut que j'enlève le slime. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles de ouf. Ça vous dire en soi si je mange un surimi. Ah, c'est parce que j'aime beaucoup le surimi. Oh, mais ouais, ouais. Mais qu'est-ce que je crois? Mais qu'est-ce que je mange un surimi? Ah, c'est moi. Grosse, bah je sais quelque chose. Mais qu'est-ce que vous? Mais c'est qui, c'est con? Mais vous me faites chier enfin! Mais! C'est bon? Aouh! Putain, mais il met encore des. Ah putain! Mais vous êtes complètement con! Mais c'est qui ces abrutis? Mais cassez-vous, Mirrorman! Enfin! Bah oui, non mais bon! C'est tant de malheur, ça va, je suis. Et donc ça c'est moi ça, ok. Donc il faut pas que je marche sur les trucs qui glissent. Sinon je me pète la ganache et ça me brûle la tête. Je... Ah bah oui mais du coup j'ai plus mon... Bah oui mais... Ah bah j'ai même pas besoin de ça en fait. Mais c'est... Et casse-toi. En plus il monte qu'un mec avec une sacrée gueule de con. Tu peux pas me montrer des trucs jolis? C'est incroyable. Pourquoi il y a que des miroirs moches? Ok. Et donc maintenant, je suis mort une fois, du coup ça rajoute des enculés. Enfin des enculés. Je dis ça, je dis tout, hein, mais... You're antisocial. Page 1. Life was too harsh. Love was lost forevermore. They hang from a ceiling fan. Staring at the floor. And then John was a zombie. Yeah.
je l'encule ton jeu, moi. Je l'encule ton jeu, moi, mec. T'as cru il allait me faire quoi? Je suis un pro-gamer, moi. Je suis un PGM, moi. Je suis plus ou moins Face Clan. Ah. C'est bien. Tu vas me niquer, toi aussi. Vas-y, viens! Non, je viens pas, j'ai peur! Vas-y! Bah alors? Bah alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, ouais! Ouais, on l'a lu la note sur le canapé, ouais. C'était It was dark, and then what the fuck, and I'm dead, I think! Plus ou moins, quoi. Par contre, il me faudrait des munitions, parce que tout à l'heure, Spider, il fait « Ah oh, ouais, il y a peut-être pas beaucoup de... Il y a beaucoup de munitions, mais il y a pas beaucoup d'ennemis, alors on s'emmerde un petit peu sur ce... » Parce qu'il parle comme ça, en fait, IRL, Spider. Juste qu'il fait genre pendant qu'il stream. C'est un peu comme Céline Dion, tu sais. Elle fait genre « S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait de m'aimer... » Mais juste après, en interview, « Bon, c'est vrai que c'était pas forcément très facile. C'est-à-dire qu'avec mon mari René, là, j'en ai quand même des difficultés, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va me recustomiser l'intérieur? » Ok, alors, attends, où est-ce qu'on est, là? Oh, il y a encore des paquets de marche à l'ombre. Ah, yes, des shotguns à mou. Sport. Donc ça va ici. On va aller faire un petit tour dans les chiottes. J'ai entendu un bruit de porte. J'aime pas trop l'idée. Comme David. Il est marrant, Lucien. Putain, j'adore ce stream. Yes. Pourquoi c'est le gros qui commente du football qui a ma voix? Qui ça, C'est pas Ménès, un truc comme ça? Non, je me souviens plus comment il s'appelle. Celui qui a failli mourir. I don't know what to write. I'm not sure if it's good or bad. I don't know if it makes me happy or sad. I think we're going to have a child. Yes, no, maybe. I don't know. Life was too harsh and a bridge was close by. They sank in the water, gaping for the sky. Trop marrant. Can you repeat? S'il y a un truc là-dedans, je lui fous une tartine de fusil de chasse, mon gars, je te promets. Ouais, ok, ouais. Vous avez tous beaucoup de chance, ouais. J'ai essayé de clipper deux fois ça a bugué. Oh bah non, j'aime bien les clips, moi. Il s'est fait retirer la moitié de son poids, un truc comme ça. Et oui, c'est sa meuf, je crois aussi, qui a dit « Si j'avais pas eu ma meuf, je serais mort. » Mec, il est assez positif, quand même. Attends, avant de ramasser cette saloperie... Ah bah, c'est des munitions, on s'en suit. Hein. Hop, on va ramasser ça tout de suite. Ah, il dit vraiment que c'est un rugueur, en plus. Ça va? Tu me dis quand t'as fini, j'ai envie d'aller aussi. Ok, personne. Personne. Oh. Putain. C'est comme le mec sur Snapchat, je crois. Hein, connard, c'était qui? Oh. Oh. Old Kitchen Knife. D'accord. C'était un mec sur Snapchat, il s'était fait péter sa bagnole. Et il avait rien dans sa voiture. Et du coup, il dit... les mecs, ils se sont pas démontés, ils m'ont piqué toute ma plage arrière. Et en fait, ouais, les gars, ils lui ont littéralement piqué ses deux sièges arrière. Mais qu'ils se sont dit, vas-y, on lui a pas pété sa fenêtre pour rien. On va quand même embarquer un truc avant de partir. Et ils lui ont pris tous ses deux sièges arrière, mec. Oh, les connards. Attends, je me replace une couille. Ok, donc, qu'est-ce que... Mais, alors, oui. Très bien, mais alors... Le couteau de cuisine, quelle est son utilité par rapport au métro, en fait? Je vois pas trop le cheminement logique. Est-ce que c'est un truc en rapport avec les... Non, je confonds peut-être. Mais quel rapport avec la Bretagne, on va. Casse-toi. Non mais t'es pas content, certes, mais casse-toi quand même. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout.
tout, 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 tout. Ils font pas trop, ils sont pas trop menaçants en fait. Voilà. Matt, ton inventaire, t'auras peut-être une indication. C'est vrai, ça fait un moment que je peux regarder. Hey. Oh. Alors, a wet sledgehammer. I found it in the sewers. It looks old, but it's holding up well. A damaged handgun. I wonder what it was doing down there. A riot police issue shotgun. It only fires rock salt rounds, so I don't think it'll do much damage. Ouais, bah pour l'instant, ça va. Lost tape, ok, on s'en fout. An antique knife used for preparing vegetables. It's slightly rusted and feels heavier than it looks. Ok. Bah non, en fait, c'est de la merde. Il me reste encore quelques objets à choper, j'ai l'impression. Avant d'avoir la suite. Ok, bon bah écoute. J'avais pas vu aussi que dans l'inventaire, en fait, j'ai une barre de santé en haut à gauche. J'avais même pas remarqué, en fait, que j'avais de la santé. Je pensais que c'était... Soit ça se régénérait, soit c'était infini, je sais pas, mais... Si, bon, bah remarque, si, mais ça doit être se régénérer, parce que je me suis pris quand même des nions depuis tout à l'heure, non? C'est pas une nouvelle arme? Si, c'est une nouvelle arme! Mais je veux dire, c'est quoi le... Enfin, pourquoi j'échangerais mon marteau contre un couteau de cuisine, tu vois? Genre, est-ce qu'il... Ah, il tape plus vite, remarque, ouais. Ouais, c'est parce qu'il tape plus vite, ok, je vois. Je vois, la réponse à mes questionnements les plus enfouis a été répondue. Ouais. Hmm? Ok, faut que je passe par là, moi. Karim! Ah bon, on revient, oui. On revient là. Ah oui, d'accord, je vois. Le fameux coup du métro infini. Bravo. Matrix l'a fait avant vous, les mecs. Hein. J'ai pas envie de... Voilà. Alors, mon petit coco, si tu crois que tu vas m'impressionner comme ça. Du coup, je sais pas trop où on va aller, en fait, parce que j'ai rien débloqué. Enfin, j'ai pas chopé de nouveaux trucs ni rien. Hein. Ouais, ouais, non. I don't understand. What is it? What is going on? Non, j'avoue, je commence à être un petit peu paumé là. Peut-être que ça a déclenché un script à la con. Peut-être. C'est possible. On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Oh, si je peux le chlasser en une soirée, c'est vrai que ça me plairait un peu. Quoi? Ah, c'est oui, c'est moi qui suis fondu. Et du coup, il y a un truc là. Non, ça sert à rien, ça. Non, c'est juste la décoration qui saigne. Ok, je vois. Très bien. Ça me va. C'est pas trop mon style, mais ça me va. Bon, tu marches encore, toi, quoi? Ah bah voilà, tu marches maintenant, toi. Il y avait un puzzle. Page 3, sideways. Page 2, c'était en bas, je crois. Hein. Peut-être de l'autre côté. Non, rien en bas, toi. En bas, j'ai dit. Voilà. Hein. Ou alors, c'est le premier qui regardait par terre, et l'autre qui regarde... Non, le premier, normalement, il regarde le ceiling, je suis pas fou. Ou alors c'est à l'envers? Attends. Live, ouais. Come to life. On est d'accord, non? Ou alors c'est le deuxième qui regarde en l'air? Oh. D'accord. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain, non mais vas-y. Balance-moi un truc dans la gueule. Balance-moi directement mes résultats du bac. Balance-moi mes résultats du bac 2010 dans la gueule, histoire de bien me faire peur, et puis ensuite je fais une crise cardiaque, et puis on n'en parle plus, c'est même plus la peine, je suis désolé. Attends, regarde-moi ça, le pouvoir de l'aléatoire. Bah, j'ai essayé de trouver une logique, mais ça n'a pas marché, donc je fais ce que je peux. Je me suis fait peur tout seul. Je fais ce que je peux, hein. C'est quoi, ça? Ok, ça c'est quoi? Très bien. Les munitions, c'est toujours extrêmement bon signe quand on te file des munitions dans un jeu d'horreur. Quelque part, il y a quelque chose de qui rassure. Je vais certainement pas tomber devant des monstres effrayants. Il y a certainement pas un truc qui va venir me taper dans le cul, c'est impossible. Comment ça, failed? Je t'emmerde. Sale connard. Voilà. Ils t'ont fait peur, les résultats du bac? Ben, honnêtement, tu les verrais. Tu flipperais toi aussi, poteau. Non, pas à labyrinthe, par contre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est où mon clébou? Bip, bip, bip.
Oh non, pas un labyrinthe. Oh putain. Oh merde. Les gars, vous êtes tous plein de bons conseils. C'est quoi le bon conseil pour trouver la sortie d'un labyrinthe vite? Ah bah trouvez. C'est pas du tout un labyrinthe. C'était pas du tout un labyrinthe. Ok. J'ai gardé mon fusil de chasse. Yes. Sco. Sco quoi? Scopatumana? C'est quoi ce délire là? Pourquoi je rentre dans le truc de David Jones? Littéralement dans le colon. Ah, le colon de David Jones, c'est dégueu un peu. Ok. Ah, SCP, d'accord, tu voulais dire SCP-87. C'est lequel, SCP-87? Moi, il y en a un que j'avais kiffé lire. C'était un SCP, en gros, qui... Il faisait un compte à rebours à partir de 100, il me semble. Enfin, ouais, c'est ça, il comptait à rebours. Et il fallait lui dire un truc pour qu'il arrête de compter. Et le problème, c'est que tout le monde est tellement flippé. C'était genre, ils avaient réussi à trouver ça dans une radio en Russie ou je sais pas quoi. Et en fait, tout le monde est tellement flippé de laisser arriver jusqu'à zéro que personne ne l'a jamais laissé arriver jusqu'à zéro et tout le monde répète la phrase à chaque fois et évite qu'il finisse de compter son truc. Et je trouvais ça vachement intéressant. J'aime pas du tout. Je suis tétanisé en fait. Je suis vraiment, vraiment tétanisé. J'ai hâte de retrouver mon chien et qu'on se casse et puis on ira à Lacano. Oh ouais, cueillir des huîtres. Ça se dit, cueillir des huîtres? Ça me paraît bizarre. Ramasser des huîtres? Peut-être plus. Putain, je vois que dalle en plus. Mec, je vois que de... Vous voyez quelque chose? C'est assez clair pour vous, les gars, ou pas? Parce que je pense que je peux peut-être augmenter un petit peu la luminosité, mais... Ah là 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 là! Oui, mais oui, non, mais les gars, ça c'est pas gentil. Ah, quoi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que... Ok. Ouais. Mais il y en a plein de ces connes. Ah. Je suis désolé de faire les cris d'Homer Simpson à chaque fois que j'ai peur, mais... Oui, mais casse-toi. Mais non, mais t'es bizarre, toi. J'aime pas. Va-t'en. Et là, il y en a, putain, mais ils sont tous à travers les cloisons, en plus, ils ont culé, quoi. Oh là là, putain, il va falloir tous les buter. Ah bah voilà. Ah bah ça va en fait. Ok. Ouais, les mobs planqués dans le mur, t'as vu ça un petit peu? Les... Ah non. Bah non, pas Pix Broken, bah non. Bah c'est pas... Bah non, on peut pas. On peut pas ça. Mais non, on peut pas ça, c'est pas payable. Enfin, on peut pas faire ça. Mais pourquoi? Ah. Tu vois, je t'avais dit on pouvait pas. Ah, je vous ai bien niqué. Je l'ai niqué avec la loi. Attention. Ah, I don't have a map of this area. I got holes. In this area. Area code. Est-ce que c'est une salle de save? Oh yes. Il commence à vibrer de plus en plus le testicule divin là. Et j'aime bien le mec qui me dit quand même, le personnage qui se dit, tu veux me la faire à la 1? Tu veux me la faire à la Spooky's House of Jumpscare, connard, avec ton save erased là? Tu crois que j'ai peur? Vas-y, viens. Merde, j'ai plus de munitions, mais tu vas voir. Ah ouais, j'ai effacé ma save, moi? Moi, j'ai effacé ma save? Je crois pas, non, c'est quoi? All he talks about is how ugly I've become, how ugly I'm going to be. He tells me he's leaving. I feel so sick, he hates me now, and all I have this, and I have all this responsibility. All because of this parasite inside me. I didn't think this would happen, I just did what I was told. I wanted him to be happy with me. Très bien. Tant pis. Ok. Yes. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce que c'est que ces conneries exactement? Attends. Ah. Est-ce que... Dis donc. Tu te couches, je sais pas ce que tu es. Je suis pas ce que tu es, mais je pense qu'on peut discuter. Mais avant ça, je vais te coucher de ta mère. Je vais te niquer au couteau. Au couteau de cuisine, au couteau de salle à manger. Je vais me faire buter. Il bave.
c'est bon, ça veut dire que je peux le capturer. Ta 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 ta. Je sais pas si je touche, je sais pas si je touche. C'est Paco quand il a la dalle. Non, c'est Paco tout le temps. Vu que Paco a tout le temps la dalle. Waouh. Ta 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 ta. Ah oh. Tout 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 tout. Vas-y viens, 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 viens. Très bien. Ok. Et donc. So how are you feeling? I feel like everyone hates me and I hate myself. Your sense of self-worth is too influenced by body shape and weight. You don't judge others so harshly. You have worth, you have beauty, but you are unable to see it. Your vision of yourself is distorted. Then how should I fix it? If I can't fix my body, then how do I fix my vision of myself? Fuck you. We are working together to fix it. But I will also write you a refill for your fluxifonicudu. Ha! Ça save quand même! Je savais que ça avait save quand même! Ha 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 ha! Je t'emmerde! Je t'emmerde, sale jeu! Tu m'auras pas avec tes vieux. Ouh, attention, tu vas supprimer ta save! Ouloulou! C'est pas le même truc. C'est pas le même truc que tout à l'heure. C'est pas le même couloir que tout à l'heure, si? Non, c'est pas le même. Oh, l'enculé. Oh, il me l'a fait à l'envers, l'enculé. Oh, l'enculé, il me l'a fait à l'envers. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non. Ça, c'est moche, et ça, c'est pas moche. Vous voulez qu'on aille de quel côté, les gars? Moche? Enfin, pas... Enfin, normal? Ou... Spider? Ouais, le jeu, il m'a niqué un petit peu. Il me l'a fait à l'envers, ouais. On va du côté pas moche ou du côté moche? Du côté moche? Ouais, on est d'accord, hein. On va essayer de lui faire... De faire affronter ses propres démons. Parce que comme je pense qu'on est tous d'accord, qu'on est tous dans le psyché d'une... de quelqu'un de obèse. Et où? Merci beaucoup, Nick. Merci beaucoup pour le riz, 13 mois. Merci beaucoup, mec. Donc ouais, on est dans le psyché d'une personne obèse. Et qui se trouve moche, qui se trouve moche et qui est en train de faire des trucs de, comment on dit, de psychologiques et qui du coup affronte ses propres peurs. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a du gras partout. C'est pour ça que les ennemis sont des blobs de graisse. C'est pour ça que, ah, et voilà, il y a le problème. Et ouais, ok. Qu'est-ce qu'on fait, on retourne du côté moche? Ça va faire, il y aura un petit côté pity, je pense, où il va falloir alterner, j'ai envie de dire, les directions. Allez, c'est parti. Remoche. C'est parti pour le remoche. J'ai encore du Angèle dans la tête. Je suis vraiment... Mec, les gars, je suis vraiment désolé, quoi. Eh ben, les gars, désolé. J'ai envie de chanter Angèle. Mais je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Elle ne veut pas sortir. Alors, si jamais vous avez une autre chanson qui reste dans la tête et qui pourrait me servir d'exutoire, j'avoue, ça me plairait. Ah. Oh, bah elle est triste parce qu'elle a pas de copain, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle a pris des frites deux fois à la cantine, et que tout le monde s'est foutu de sa gueule, parce qu'elle est restée à côté des trucs pour les distributeurs de sauce, et elle a fait... Et y a le mec, il lui a fait, hey non, gros cul, pourquoi tu te refais autant de sauce que ça? Tu dois faire des réserves pour l'hiver? Et tout le monde a fait, ha 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 ha, et après elle s'est coupée les veines. Horrible. Si vous voulez quelqu'un à qui parler, il y a des numéros gratuits contre le bullying. Ok. C'est une blague. Hein. C'est une blague. J'ai pas envie qu'il y ait des grosses qui commencent à se tailler les veines. Non, non. Oh, une pomme. Bah voilà, mange une pomme. Au lieu de bouffer les saloperies, grosse pute. J'arrête. Il vient de résumer 13 Reasons Why. Est-ce que je peux save dans ce dans ces toilettes? Non, je peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je mange la pomme de Jésus-Christ? C'est pas ça le délire, là? Il a mangé une pomme, il y a un serpent ou je sais pas quoi. Vas-y. Ah. Bah c'est une pomme, c'est bon! Mais une pomme, ça fait pas des gros culs, les pommes! Non. Bah. Il est con, ce truc? Bah ouais. Très bien. Bah c'est quoi, c'est ma thérapie là, je suis en train de... Il m'apprend à manger des fruits et légumes, qu'est-ce que c'est? Oh.
Et du coup, maintenant, on n'a plus que celui-là. Comme alerte. C'est super bizarre. Je le partage aussi juste pour te dire que t'as un gros PD qui a oublié son briquet chez moi. Bisous. Ah merde. Ah oui, mon briquet noir là, oui, j'ai peut-être oublié sur ton bureau. Masse fort de ma désolade. Mais merci pour le resub, Poons. Merci beaucoup. 12 mois en plus, ça y est. 12 mois, t'as ton badge PD. Je sais pas si tu l'avais avant, je crois pas. Qu'est-ce que. Je continue avec la pomme ou. Ah, il saigne plus en tout cas les petits snacks. Snakes and snacks. Ha ha ha. Ha 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 ha. Allez, petite pomme. Tac. Mange pas. Ah, bah trop tard, Hoffman. Moi j'aime bien les pommes, alors je peux pas dire. En plus, celle-là c'est clairement une Pink Lady. Et c'est bon les Pink Lady. Oh. Et bah voilà. Tranquillou. Voilà. Ça c'est bon. C'est quoi? Non, je vais sortir le fusil de chasse dès maintenant. Non, sans le fusil de chasse. Voilà. Impeccable. Est-ce que ça se répare peu à peu? Non. Oui, regarde. J'ai l'impression que ça se répare peu à peu. Genre les trucs qui sont moins sales, non? Est-ce que je serais pas en train de soigner ma vie à l'aide de fruits et légumes? Est-ce que c'est un pamphlet contre la malnutrition, en fait, le jeu? Est-ce qu'on est en train de jouer au jeu de Michelle Obama? Je préfère me dire que ça fait que 12 mois plutôt que 7 ans. C'est moins triste. Waouh, bravo, super, bravo le support. Ah! Oh bah dis, eh! Un bébé dans un genre de d'évier. Enfin, c'est pas un évier, mais c'est dégueulasse par contre. Qu'est-ce que je fais? J'y fous une cartouche ou c'est charmé? Allez, on prend le bébé. Bah, j'ai un bébé maintenant. Est-ce que je peux. Non, il fait même pas partie de mes objets. Bon bah, j'ai un bébé. Assume. Ah, j'espère que je l'ai pas bouffé parce que du coup ça va niquer mon régime. Ah. Nani, c'est l'œuvre d'un stand ennemi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et heureusement que je pars du principe qu'il faut tirer dans tout ce qui s'approche de toi, parce que là je me serais fait niquer par un métro les mecs hein. Les bonnes prodétines. Des prodétines. Oh non, pas les cavernes. Oh là 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 là, mon gars. Pour apaiser bébé quand il fait ses dents. Il y avait une silhouette sur le train. Oui, il y avait une demoiselle. Une demoiselle qui recherche certainement un mec mortel d'ailleurs. Et qui était devant le train un petit peu en fait, comme dans Spider-Man 2. Quand Spider-Man il essaie de rattraper le métro à New York. Voilà, voilà. Par contre, d'accord, mais est-ce que je peux récupérer mon chien par contre? Est-ce que tu crois que c'est un chien d'assistance pour les gros? C'est possible ça? Quand t'es médicalement gros, est-ce que. Enfin, obèse maladif, morbide. Est-ce que. Non, t'as pas le droit à un chien si? Attends, sinon c'est putain de tranquille, tout fou. Tu bouffes, t'envoies un chien. I waited in the jar for so long, I lashed out against to anyone who got close. But someone kept pushing me into the light. It hurt me for a while. It doesn't hurt anymore. Ça y est, elle commence à arriver à terme avec l'idée d'être un gros cul. C'est positif. C'est du body positivisme. C'est l'inverse du body shaming. C'est quand tu fais oh t'as un gros cul, waouh super, tu vas crever à 35 piges. Mais c'est bien, continue surtout hein. J'aurais pas envie de te body shamer. Attention. Hein? Non mais vas-y, non, continue à bouffer comme de la merde. Mais non, vas-y. 3 litres de coca classique par jour. Mais ouais, mais fonce meuf. You slay queen. Vas-y, non, crève à 40 piges. Moi je dis ça, c'est pour toi hein. Fonce hein. C'est quoi? Ok, il va me falloir 3 petits items qui sont cachés dans... Yes, queen! Qui sont cachés dans ces petites cavernes isocèles. Ouh, la physique sur les chaînes, comme dans Oblivion. Juste avant que tu te fasses interviewer par Uriel Septime. C'est pendant l'ère deuxième. Il y a beaucoup de choses ici. Oh, putain! Merde, j'ai pas lu.
This place should be empty, but the lights are on, and I hear something crawling around. Why keep the power on? Why? I can't fathom what this place even is. I try to map it out, but it doesn't make sense. Uriel Dombal. Pff, toi, je t'encule, mec. Tu dis pas ça de notre saint empereur Uriel Septime. Père de Martin Septime. Protecteur des dragons, l'original, pas l'autre pute là. L'autre pute là de Calice, hostie de Calici là. Voilà, game savait, voilà, là on est tranquille putain. Alors du coup, on était dans la save room. Et bon, on va t'y part par là-bas alors, parce qu'attends, à gauche ça mène où? À gauche ça mène nulle part, très bien. À droite c'est là d'où on vient. Il y a une petite salle. Non, bah non. Non, je suis là. Putain, je suis con, quoi. Nous, on arrive de gauche, justement. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien, même. Ah. Hein. Du coup, on va passer par là, bah, c'est pas grave. Hein. Ok. Et j'ai pas l'autre tape de toute façon, donc ça va se faire vraiment très très vite, hein. Donc si on veut pas aller là, si on veut pas aller là-bas, on va faire demi-tour, hein. N'existe pas sans son contraire, putain de chanson de merde. Et oui, donc ici, la petite porte, c'est celle où il faut récupérer des items. Et donc, le mieux ce serait d'aller, parce que nous, attends. Nous, en fait, on vient de tout à gauche, là. D'accord, on vient de l'endroit où il n'y a pas de map. Et bah du coup, je peux aller là-bas. J'y comprends rien aux cartes. De toute façon, nord, en fonction de comment t'es placé, ça change tout. Le body positivisme, un Luger et un shotgun, ça va tirer dans les écoles. Oh là 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 là. Bah non, mais c'est vrai. S'ils ont envie de... tu crois que je crève ou pas? Bah, tu sais quoi, on va pas prendre nos chances. I'm not about to take any chances. I never asked for this. D'accord. Donc là, il y a une petite croix parce qu'on peut pas passer. C'est quoi ce bordel? Non, non, mais mon chien, j'ai pas envie de retirer sur mon chien par contre. Vous me faites pleurer. Ça, c'est pas mon clef, ça. Je savais. Non, c'est pas mon clef du tout, ça, c'est un genre de Transformers. Eh, dis donc, on dirait les jouets que j'avais là, les Animorphs. Ah. Putain, mais vous aviez pas ça, vous? C'est, Beast Wars. Non, si, ça, Beast Wars, je crois. Et en gros, c'était comme des Transformers, sauf qu'à la place de se transformer en véhicule tel une brouette ou une Simcamille, ils se transformaient en putain d'animaux de ouf. Et enfin, en robots, du coup, c'était des robots qui se transformaient en animaux. Et j'avais un T-Rex, j'avais un putain d'ours polaire, j'avais une... Un guépard, Transformers, ouais, c'est, je crois que ça s'appelle comme ça, Beast Wars, je crois. Et c'était trop stylé, ces jouets, mon gars. J'ai cru qu'il avait ton chien en morceaux, mais il avait mon chien en morceaux au bout des bras, mais c'était pas le vrai, c'était un genre de mimique, en fait. Ouais, Power Rangers, c'est ça, mec, ouais. Des robots qui se transforment en animaux, c'est Power Rangers, t'as raison, mec. Heureusement que t'es là, poteau, parce que sinon, on n'aurait pas compris, hein. Ok, Beetle Emblem... This is good. Now I can leave, I guess. God damn, Marvel, what's going on? Ok, donc là c'est cool. Moi j'avais un Transformers en singe quand j'étais petit. Et c'était bien ou pas? Ou alors est-ce que tu regrettes? Parle-nous, il t'a touché où le Transformers en singe? Dis-nous tout. Salut toi! Ah mais je marche plus hein. J'ai déjà vu que t'étais un genre de scolopendre. Sale pute. Non, t'es mort. Chut. T'es mort. Voilà, impeccable. Et moi, mon personnage Beast Wars, mon préféré, c'était le T-Rex, tu vois. Parce qu'il était énorme et il était super stylé. Il avait un genre de casque devant la tête et tout. Et c'était mon préféré. Et je l'ai laissé dans la bagnole de mon père juste avant que ma sœur ait un accident avec et qu'elle brûle la bagnole, pas ma sœur.
Et donc, j'ai littéralement perdu mon Beastwars T-Rex dans un incendie de voiture. Je me suis fait également piquer mon Beastwars Guépard par un pote d'enfance. Hein, Benjamin, si tu m'entends, sale fils de pute, je sais que c'est toi. Et l'ours, je sais pas ce que j'en ai foutu. Et le ptérodactyle non plus. Voilà où on en est, quoi. Voilà qu'on en... Oui, non, mais je voulais juste préciser que tout le monde fasse passe. Ah oui, sa sœur est morte dans un accident de voiture, quand même, c'est chaud. Non, c'est bon, ma sœur, elle va très bien. Elle est pas morte brûlée dans une Renault 25. Et... pas de problème. Oh, une lampe par terre. Très bien. Attends, où est-ce que je suis, là? Ok. Donc, faut que je passe par là, et au bout, il va y avoir une room dans laquelle doit se trouver, normalement, un autre emblème. Waouh, je t'ai bourriné ta gueule. Ça va, j'ai plus trop peur du coup. Il est préférable d'avoir un Kirikou à la cave qui produit de l'électricité plutôt qu'un Transformers en singe. De quoi tu parles? I thought I'd be safe down here. I'm so far away from those monsters up above, but even down there I'm not alone. What the fuck is up with that? What's up with that? What's up with mines? Ok, par où on est là? Ok, on rentre par là, très bien. Et bah c'est coolos. On va se casser par ici. Ensuite par là-bas. J'ai aucune idée si c'est le bon chemin. Si, c'est le bon chemin. Non, reprends le gun. Bah non, attends, je suis où? Si, ouais, si, c'est ça. Ouais, bah... Oh, si, c'est ça. C'est bon. Ok, donc on se casse par là et on va save en revenant par au-dessus. Ouais, ok. Je me suis un peu chié dessus, quand même. J'avoue qu'il y a eu de la cagade. Je me suis un peu chié dessus. Les bouquins animorphes, on en parle. J'ai jamais eu de bouquins animorphes. Mon père me faisait lire que deux trucs quand j'étais gamin. C'était des livres de survie de l'armée américaine et le Club des 5. Donc, j'ai jamais lu Animorph. Je sais pas si c'est bien. Donc je peux pas vous aider là-dessus. Désolé. Je suis déjà passé par là? Non, c'est pas celui-là, c'est pas le même. Ok. Désolé. Je vais me faire attaquer par un truc, non? Oh, y a bien une chance pour que je me fasse bourriner, non? Mais Francine, on avait plein, ça avait l'air chiant. Eh ben, je peux te dire que c'est pas forcément... Je pense pas que ce soit aussi chiant que le Club des 5, hein, parce que c'était vraiment, vraiment très très chiant, le Club des 5, mec. Oh là là, il se faisait attaquer par des crabes la plupart du temps, ou par des mecs qui voulaient low-key un petit peu les kidnapper pour les revendre en Turquie. Et encore, ça c'était sur les passages un peu croquants. En plus, les enculés, ils faisaient exprès, genre les bouquins, ils étaient roses, tu te dis, oh putain, vas-y, il y a l'air du cul là-dedans. Non. Voilà, non, s'il te plaît. C'est ça, ouais, casse-toi, ouais, fuis, ouais. Tu dis, ouais, ouais, alors du cul, machin et tout. Et en fait, non, il y a que dalle, il y a même pas une petite fesse. J'ai envie de dire, non, décevant. J'ai eu le droit au Club des 5 et Arsène Lupin. Et t'as vécu ça comment, Nick? Arsène Lupin, j'avoue, je peux pas dire, mais... Non, il meurt pas vraiment, en fait. Tu le repousses plus qu'autre chose. Bah écoute, hein, j'ai encore des balles, hein, il peut venir le poteau. Hein. Ok. Et bah voilà, hein, c'est quoi? Quelqu'un qui a cloué des souris? Pourquoi pas? I told everyone, but no one listens to me. I can't trust anyone. They're all just serving the monsters. No one is different, it's just me now. Why wouldn't they just listen? Ouais, mec, comment... mais mec, c'est trop poétique, mec. C'est genre, c'est profond. Tu comprends pas dès le début, alors ça veut dire que c'est grave intelligent et tout. Je suis sûr que t'es genre un poète. Allez hop. Non, parce qu'au bout d'un moment, les feuilles que t'es censé lire, machin, qui te filent du lore, c'est marrant, mais quand tu comprends rien, 2 fois sur 6, si tu veux, ça commence un petit peu à être long. Donc, je peux pas passer. Je suis... Non, c'est bon. Oh, putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'il allait avoir un problème de synchronisation verticale et que j'aurais pas pu passer. Je me serais chié dessus. Y a plus de sortie.
Trop marrant. Ouais. Est-ce que ça, c'est la sortie? Non, c'est pas la sortie. Bon. Ouais. Où est-ce que... Non, je veux pas re-read. Je veux pas re-read, mais je voudrais bien me barrer, par contre. Je voudrais bien... Ouin, ouin, ouin. Mais je peux point. Ouin, ouin, ouin. Oui, alors Russiane, par contre, t'es gentil, mais dire qu'il y a plus de sortie quand il va pas du tout à la bonne sortie, c'est pas forcément... Je sais pas, je suis vraiment un gros abruti, en fait. Parce que c'est pas du tout en face, la sortie, c'est là. Bah oui. Comment con, ce mec. Putain, le streamer, là, qui fait le jeu d'horreur, là, sur la chaîne de la Mégaforge, c'est vraiment un gros débile, hein, putain. Oh, il arrive à rien, il spawn tout le temps... Ouais, il va essayer de me taper, mais c'est un peu chaud, je pense. Et je veux pas regarder en bas, hein. On est d'accord, je regarde pas en bas. Ow! Il m'a tapé, le sale fils de pute! Oh. Alors ça, par contre, non. Non. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, le truc? Je suis pas tout seul. Ne lis pas ça, Ruru. Ah, faut pas que je lis ce que tu viens d'écrire. Ok, je lis. Problème de cohérence dans leur pouvoir, début, milieu, fin, certains moments stéréotypés que chaque série pour gosse devrait avoir, qui passe pas toujours le scénario qui devient franchement aléatoire après la moitié de la série et d'autres. D'accord, j'ai pas lu, c'est bon. Et ben en fait, il y a eu un genre de d'ombre qui est passé là, et puis qui a dépop, un petit peu comme Tyler Durden au début de Fight Club. Et j'ai pas aimé le trop. Ah. Plus, encore plus de munitions. T'as quelque chose à te faire pardonner, toi. Toi, t'as quelque chose à te faire pardonner ou je m'appelle pour rue. Ok, on va voir la petite pièce. Normalement, on devrait avoir tous les éléments pour l'ouvrir. Pliplap. Voilà. C'est sûrement un bug, Russiane. Force... Ouh. Nezumi testing. Il est là, Nezumi, ce soir, parce qu'il est là, hein. Nezumi. Je savais pas que t'étais dans un genre de laboratoire. Ça, c'est du puzzle. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, il va piller façon puzzle. Je ventile. Oh. Obama. Nezumi Testing, Dr. Brundle, Personal Archive 86. Feeling good about today? Progress continues almost at an alarming rate, given how theoretical this all should be. Today we had one of the smaller rodents continue to move for almost 2 hours after all of its blood had been drained and replaced with mix PA22-12-15V. Très bien, file-moi la carte. Je suis la carte. Donc ça, c'est le save. Yes. Et bim, le save. Ouais, mais ça change quelque chose, hein. Pourquoi c'est comme ça? Ouh, lolo. Oh, y'a un fog wall là-bas. C'est quoi? Des rodentes. Y'a Dr. Brundle. Oh la vache, le fog. Ok. T'as déposé bébé, ça a fait un point de save. Non. Le bébé s'est transformé en point de save. Je suis désolé. Oh, ah, putain. C'est une LAN pour une IRL LMF. Quoi? Mais je ne suis pas un magnétoscope. C'était quoi? Pourquoi il y avait un bruit de magnétoscope? Ça s'est lancé où? Parce que je sais que le spleen n'est plus à la mode, mais c'est pas compliqué d'être heureux. C'est où? C'est où le magnétoscope? Ça a l'air d'être perché ton jeu, j'ai préféré le moment où j'ai connu la Mégaforge quand c'était Doom 2016. Bah va voir les rediffs si tu veux. Hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ferai le full run Doom 2016, alors il faut que vous soyez là. Je vais avoir besoin de support, je vais finir le jeu d'une traite. Je vais essayer. Et je pense que ça va être bien. My dreams have found their savior. D'ailleurs, ça vient du docteur Piccinini.
Trop stylé son nom. A dark creature swabbed in dirty robes now lives within them. They eat the rats and silence the screaming. Soon I will begin work, not this filthy government rat's work, but my true work. I will give birth to my savior so they can silence everything. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas propre ce que vous dites et je peux pas être forcément d'accord. Maintenant, le choix est à vous. Ce n'est pas mon corps. Piccinini con la puerta. Attends, je viens d'où? Là, c'est Brindle. Ouais, on est d'accord, ok. Ok, c'est hyper. Très bien. Je me rappelle passer mes nuits blanches à faire des illus pour ton école pendant ton live sur Doom 2016. Il était bien ce live sur Doom 2016. On avait bien kiffé. Dr. Piccinini, squeaks and squeals are all I hear. My dreams are infested with these ratos. If only they knew that we are going to make them into something beautiful. Bellissimo. If they knew that and had the capacity to, they would respect me. But no, it's nothing but screams and wailing. I can't sleep, I can hardly think. Even when I'm further away than the sound should possibly travel, I can still hear them. Eh ben c'est top. Ah, des rats morts. Enfin. Quand même pas compliqué. Quand même pas compliqué de montrer des animaux morts. Attends, je vais en montrer un. Attention, trigger warning, les copains. Maintenant, à la LMF, je fous des trigger warning dans les tags. Dommage qu'on a que 100 caractères parce que. Mon gars, les trigger warning sur des vidéos d'LMF, ça va être assez vénère. Lab 1D, fais voir, y'a quoi? Non, 1A. Ah bah, du coup, il vaut mieux que j'aille là au début. Yes. Bah ouais, mais bon. C'était quoi votre plan, les mecs? Ah, mais je me suis cassé. Merde, j'espère que ça va pas les faire repop. Sinon, j'ai vraiment l'air d'un con. Bon. Je m'y attendais un petit peu, du coup, ça va. C'était quoi? C'était des rats? J'ai l'impression... Il y a un mec qui va me sauter à la gueule, non? Oh! Bah, c'est quoi? Pourquoi faire? A small doll head made from some sort of soft porcelain. I can hear something rattling around inside it. Ok, on peut pas la bouger comme dans RE2 pour trouver des trucs, donc bah voilà, on a une tête de poupée, et tant pis. I'm beginning to question my fellow scientists' ethics if we can truly call any of this science anymore. I fear we're all stumbling into something dark, and with each breakthrough my fear grows. I don't know how they react when we inevitably hit a dead end with these experiments. Putain, mais dis-moi en plus, poteau, quoi. Dis-moi en plus. Tu peux pas l'équiper? Non, je peux pas l'équiper. Non, c'est pas une arme. Je suis désolé. Désolé, Momo. Apparemment, t'aimes bien te battre avec des têtes décapitées, mais non. 999 Ishkanishk Equipen di cabeza. Encore? T'es mort? Oh, t'es pas mort. Peut-être que je vise un jour parce que je suis en train de dépenser des balles n'importe comment. C'est quoi, un gilet pare-balles? Oh putain. Today I question the higher staff just on how far they think we can do. Ok, d'accord. Mais quel est rapport avec une petite grosse qui a du mal à s'assumer? Quel est le... Je crois pas. Ah non, c'est les chiottes de... comment ça s'appelle? De Full Metal Jacket. I showed Sotiris to Dr. Bundle today. He didn't know what to think. He just stared at it. Maybe he was just scared. So it is moving now. Burnley buried something. I can't get him to function when the camera is on. Ok. Ouais, il y a grosse baleine. Il va claquer là. Je sais, je l'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Enfin, je l'ai re-regardé. Je le connais par cœur, mais... Et c'est pareil. Full Metal Jacket en français, je trouve bien mieux. Un peu comme Shrek, quand même. C'est comparable, hein, Full Metal Jacket et Shrek, je suis désolé, mais... Holding 1A, ok, et Lab 2A. Donc on est au bout, d'accord, ok, très bien. Ouais, la scène, elle est assez horrible, ouais. Mais tout le film est très hardcore. Même la scène où il nique... il défonce la chinoise à la fin, enfin, quand Rafterman défonce la chinoise à la fin, j'avoue que c'est pas forcément trop la gaieté.
La gaieté. Il y a plein de bébous là. Et c'est quoi tous ces bébous morts? Quel est le principe? C'est pas du tout des rats en fait que vous avez buté. Ah mais vous essayez de faire des hybrides non? Un petit peu comme dans... Use. Oh. Ah. Je m'ai pété. Arrête. Ah mais merde, mais qu'est-ce que je fous? Quoi? Mais qui... Hmm? Quel... Pourquoi... Ok, bah c'était très cool, mais j'ai pas compris le... C'est pas grave. My dear savior is growing every day. I started stealing some of the rats from their tiny safe cages and put them in a hole with Sotiris. At first, I wasn't sure if they would do anything, but once I left and came back, the rats were gone. The only traces of the rats left was a lipstick smear of blood on Sotiris' jaw. Ok, c'est quoi Sotiris? Parce que ça commence à m'intéresser ce bordel là. Je pense que je vais y foutre des cartouches à Sotiris. We've done it! I have to get out of here as soon as I can! These are not creations that should exist! I don't know if we screwed something up on the way or this was the only possible outcome. Ok, bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a foiré. Mais pourquoi moi? Enfin, à la base, moi, je veux juste récupérer mon klebs, quoi. Et je trouve que vous êtes en train de m'embarquer dans quelque chose qui me dépasse de loin. Bonjour. Ah, ils ont des yeux, en fait. Ils avaient pas d'yeux tout à l'heure, on est d'accord. Et ils se repliaient pas comme ça quand ils mouraient, d'ailleurs. Alors, par contre, c'est comme moi, c'est un petit peu chaud au niveau des munitions. J'espère que ça va pas s'intensifier. C'est des munitions? Enfin, c'est quoi? Oh super, une troisième cassette qui va me faire me chier dessus. Oh top, c'est justement ce que j'attendais. Oh là là, ok d'accord, un troisième sujet. D'accord, donc en fait c'est SCP. Cette cassette. Ouais. Cette cassette, Bayagogos. Bayagotot. Donc cette cassette est apparemment une cassette littéralement maudite. Donc ouais, c'est SCP quoi. Tout le jeu, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mishmash de références. Et ils ont voulu référencer leur copain. Ah oh, attends, je me suis fait chasser le cul. C'est quoi, je vais me barrer. Ah. Alors là, ça va se faire à la main. Merde, non, c'est pas ça. Ah, il me reste deux balles quand même. Merde, non, c'est pas ça. Non. Tchic-tchac, on passe à l'attaque. Voilà. Bon, il me faut un œil. Donde puedo esconder a un ojo? Yo necesito un ojo. Peut-être qu'il faut que je trouve un lecteur CD en fait. Pour lire ma cassette. Je pense que ça va être ça le délire. Vu qu'elle est un peu maudite. Ah, c'est ce jeu-là. Quoi, c'est ce jeu-là? Ok, c'est bon, on peut les fake scroll, ils sont cons. Brundle. Ah bah oui, je peux rentrer chez Brundle du coup maintenant. Je suis désolé, mais... Vous me faites plus trop peur. Vous êtes juste un peu trop long maintenant. Je suis en train de faire saigner la porte. C'est comme le porno japonais où la gonzesse c'est une porte. Vous me faire attaquer ou pas? Heureusement que Silent Hill c'est mieux quand même hein. Voilà. Allez, dis-moi que c'est un petit salon tranquille. Ah non. Stop Brundle. Oh la vache, il est dégueulasse Brundle hein. Oh. What? Oula! C'est normal ça? Unity Engine Debug Log. Quoi? Non, je suis ici, ça c'est normal. Ouais, c'est normal. Si. Ils sont en train de. Si, ouais, ici, je sais pas trop. I can get out of here, my house. The house is full of them. They're worshipping Puccinini. Puccinini messed up pet. They're swarming around. There's just rats. Je sais pas si c'est pour déconner ou pas, le truc. J'ai mis le cadavre dans ma poche, je pense que c'est fait. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est ça. C'est un petit bug. Debug log, descriptor missing. Ouais, d'accord. Ouais, je vois. T'inquiète. Du coup, ils essaient de nous faire peur d'un côté un petit peu méta. Je respecte beaucoup les scènes parce que j'aime beaucoup ce genre d'horreur.
Merde, non, c'est pas ça que je voulais aller. C'est là. Faut aller à gauche. Hop, excusez-moi les gars. Voilà, merci. Pardon. Et ensuite, voilà, c'est là que je voulais aller. Ouh, ça, c'est bien Silent Hill, ça. Ça, en effet, on est sur du Silent Hill, ça ment pas. Yes. Ils sont plus de deux. Ouais, les bestioles cheloues qui m'attaquent, ouais, il y en avait quelques-unes quand même. Mais elles repopent en plus, quand elles ont les yeux rouges, elles repopent. Oh, le jumpscare le plus adorable du monde. Oh, petit bébé, bah oui, mon petit Pips. Ça va? Oh oui, on peut lui faire des caresses en plus. Oh, yes. Oh, petit bébé. Allez, viens, on se casse. C'est bon, je t'ai trouvé. On n'a plus besoin du reste. Dr. Piccinini went crazy. He attacked me in my office, screaming about sacrifice. I hit him over the head and he lost consciousness, but I confirmed he's still alive. I'm going to try to get out of here using the flood tunnels connected to the rat fluid chamber. Ça, bébé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as trouvé? Eh, qu'est-ce que tu fous? Mais pourquoi tu ramasses des cadavres? Mais t'es complètement con! Mais arrête de ramasser des bébés! Oh! Mais abruti, il a ramassé le reste du B-Elite! je sais pas si c'est fini, mais je pense qu'on va se rapprocher de la fin là, ouais. Ah! Il est où mon Klebs? Ah non, pas encore! Bébé? I can't go... Bah voilà, si on peut pas... Ouais. Ils te montent vite? Ouais, c'est bon, ils te montent vite. Putain, mais ce... Putain, mais ce Klebs, mais c'est pas possible, ça! Ah, j'ai vraiment pas de bol. Hein. En plus, j'ai plus de gun. J'ai plus... C'est moi où je fais 3 mètres, là? J'ai plus aucun gun. Ah, regarde, je suis super grand. Qu'est-ce que... Ouais? Non, il y a définitivement un problème, là. One pill makes you larger... And one pin pill makes you small. Oh. And the one that mother gave you. Don't do anything at all. Ok, j'ai des balles. C'est bon, viens, poteau. Je sais pas qui c'est qui cherche des emmerdes à mon Klebs, mais je vais l'enculer. Il est où? Vas-y. C'est toi qui es grand ou le monde qui est petit? IRL, c'est le monde qui est petit. Ok, d'accord. Ouais, je pense que je m'approche de la fin, là. Inventory... Ah, dis donc, je suis... Oula. Oh. Bah, je voulais pas poser Michel, mais bah, si vous voulez que je pose Michel, hein. Ça va, Michel? Tu veux que je t'en mette ta jambe peut-être? Ça va, Mimiche? Si ses yeux brillent d'un coup, mec, si ses yeux avaient brillé d'un coup, je pense que je me serais vidé. Mon corps se serait vidé par le cul, vraiment, hein. Mais je peux pas prendre Michel avec moi, c'est pas possible, je peux pas. J'aurais bien voulu partir avec Michel et mon chien, quoi. Genre, on aurait été tranquille, mais non, on peut pas. On va vraiment de déception en déception en ce jeu, vraiment, hein. Fais le bisou à Michel. Bon, d'accord, je vais faire un bisou à Michel. Michel, MTE veut que je te fasse un bisou. Allez, la bise. Voilà. Ah yeah. J'ai fait un bisou à Michel. Il faisant des un peu, Michel, mais c'est pas grave. Je comprends, il a pas été dans sa meilleure forme non plus. Ok. Broken? Bah... I'm broken. Bah voilà, mais Michel, mais fallait me dire... Non, mais Michel Michel? Bah non, mais fais pas le con! I'm almost out of here, but Piccinini's pet's in the warehouse by the emergency exit. I won't move while I'm staring at it, but when I try to look away, it seems to reappear somewhere within a closer radius. If someone finds this, please be careful, as the creature may still be around. Ok. Donc il faut le regarder pour pas qu'il nous... il faut le... un peu comme un bout, en fait. C'est un bout. Il faut le regarder pour pas qu'il avance. Et on va pouvoir l'éviter tranquille, tu vas voir. On va l'enculer. Après, je m'en fous, j'ai un gun. Il est où? J'espère qu'il est là. Je vais l'enculer, le modèle, là. Il est où? C'est toi, là? Non. Il est horrible. Il est...
C'est Jack Skellington ou quoi? On laisse nous attaquer ou quoi? Vas-y. Ah, bah voilà. Il m'a juste craqué la nuque. Il m'a juste craqué la nuque, le truc. Il a... Il a fait... Ah bah... Bah je sens plus mes jambes. Et dans ta... il m'a vraiment en plus... Je pense qu'en fait il m'a compressé comme tu fais avec... Oh, il y a mon petit chien. Bébé. Viens bébé. C'est pas mon petit chien. C'est pas mon petit chien du tout ça. Non, ça c'est plein de des petits chiens mais c'est... Oh, c'est marrant. Coucou les petits bip-bip. Ça va? Bah alors. Allez-y, repaissez-vous de ma chair. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, pas les... Ah, on a dit pas les yeux. Bibi. Bibi. Oh, classe. Oh, sur le game over, du coup, t'as pas d'yeux. Ah, c'est sympa. Oh, c'est super stylé, mec. Avouez quand même, le truc, il est cool. L'idée est bien. Ok, alors. Je vais boire un peu de ce liquide affriolant. Il faut le garder dans notre ligne de mire. Ah, ouais, mais du coup, non. Ah, mais il est plus dans ma ligne de mire, là. Mon plan est déjà en train de s'effondrer. Mon plan est déjà en train de s'effondrer à une vitesse grand... Oh là là. Si les... Je vous préviens. Hein. S'il me chope, je chie. Hein. S'il me chope, nothing. Mais normal, c'est juste un bout de viande. Non mais attends. Non mais c'était quoi? Mais mec, il y avait juste... En fait, il y avait un bras qui sortait du mur. Je fais... Bah, il est marrant, ce bras qui sort du mur. Ah. Bah merde. Ah, la connerie. Ok. Je peux lui tirer dessus? Non, il est blindé, ok. Donc ça, c'est sa création magique, infernale et mirifique. Très bien. One pill makes you larger. And one pill makes you small. Du coup, je vais faire ça direct, comme ça on sera encore plus près. And the one that mother gave you. Ok, alors. Voyons voir à gauche. C'est là qu'Agade. Qu'Agade pas. Si. Bah, c'est pas toi ça. Non, t'as changé d'apparence, t'étais pas comme ça tout à l'heure, toi. Si. Non, t'étais pas comme ça. Je vois le bout de ton crâne, hein, donc si tu bouges, je te verrai. Si tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre. Jusqu'à la destination, il a bougé. Sa mère, la pute. Vous... Suivez. Des yeux, les toits. Je dois fouiller la viande, j'ai l'impression. Pour trouver un item qui va me permettre de me barrer. Ouais, donc tu te téléportes complètement. Donc... C'est marrant, il ressemble à un Jedi. Tu sais, la race d'aliens dans Star Wars... Qui ont tout le temps des masques à gaz sur eux. Oula, ouais, mais du coup je peux passer, connard. Hop. Excuse-moi, voilà. Je vais te garder bien dans ma ligne. Oh, je suis bloqué, merde. Le con. Oh, je vois des ombres alors qu'il n'y a pas d'ombre. Il est où? Il se note hier. Je crois qu'il a un nom comme ça, funéral Plo Koon ou Plouk Plouk, Skibidi Bap. Missing left eye picked up. What? What the fuck? C'est quoi? J'ai un œil? J'ai littéralement un œil? Oui. Someone's missing left eye. It still has bits of the optic nerve and muscle tissue stuck to it. Stuck to it. Vous aimez bien Aretha Franklin? J'adore Aretha Franklin. J'aime pas prononcer son nom comme... Vous pouvez... Qu'est-ce qu'il fait? Ah! T'as vu cette pose à la Jojo qui nous sort le mec? Franchement, respect. Hein. Alors, maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui ressemble à une sortie. Aïe. Je vais save. C'est quoi, je vais save? Oui, Streamlabs, il se fait enculer depuis tout à l'heure. C'est vraiment pas de notre faute. C'est qu'on n'arrive pas à trouver le moyen de le mettre en modo.
D'accord. Et donc? Et donc maintenant, il a un œil. Mais c'était l'œil que moi j'avais. Alors dans quel... Hein? Dans quelle proportion exactement? Ben voilà. Et donc mon kleps... Donc mon kleps, finalement, on s'en fout. J'espère que je vais le retrouver d'ici là, parce que sinon ça va chier. Hein. Ça, c'est pas trop fort. Est-ce que vous m'entendez quand je parle quand même? Ouais, maintenant il a un œil quand même. Vous m'entendez ou quoi là? C'est en fait sur mes niveaux de son, ça dépasse ma voix ça. Mais comme c'est que des basses, je sais pas trop. C'est pas évident. Est-ce que quoi? Bah... 3D Art by Sotiris? Quoi? Hein? Mais il est où mon kleps? Mais qu'est-ce que... Non, non, mais il y a des trucs que j'ai pas fait, non? Il aurait fallu que je... Motion capture by Ruru. Ah, comment t'as... Blood by Ruru. Oula, c'est un délire. Non, c'est pas la fin. Non, c'est encore un truc méta, j'ai l'impression. The time is late. What? Non, ouais, y a un truc. C'est... Save your rats, Satyrus. Bah non, j'ai l'impression que... T'as remarqué que quand tu lis Sotiris à l'envers, ça donne kayak. The need for eyes. Non, ouais, c'est de l'humour un petit peu méta comme il y a eu tout à l'heure quand j'ai ramassé le cadavre, je crois. C'était un rêve. C'est que depuis le début, en fait, tu fais un rêve. Et tes chiens, ils dorment à côté de toi, tranquille, sur ces petites pantoules. Allez, ouvre. S'il te plaît, ouvre. Et allez, et voilà. Voilà, c'est bien ce que je me disais. J'ai vomi des insectes. C'est vraiment une très mauvaise journée que je passe. Blourg, blourg, blourg. Ça, c'est dégueulasse. Une fois, j'ai fait un cauchemar comme ça, que je vomissais des mouches. C'était vraiment pas trop au top. C'était pas trop le fun, je dois admettre. L'ascenseur émotionnel, littéralement. J'y ai cru. Mais j'avoue, au début, je me suis dit, ils vont nous faire un délire. Oh. Salut, Sotiris. Tu me files ton œil? Ah. Je suis arrivé. Sotiris, tu me files ton œil, STP? Je pense qu'il faut que je récupère un deuxième œil ou alors que j'y mette des balles dans la tête. Je pense que je vais faire les deux. Ah, c'est cuit. C'est prêt. J'espère que vous avez faim parce qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Là, il y en avait voilà, pour tout le monde. T'inquiète pas, j'ai trouvé le fusil de chasse et les munitions. T'inquiète, il va y en avoir pour tout le monde. Par contre, le délire du bébé qui se transforme en save point, est-ce qu'on en discute ou est-ce qu'on en discutera jamais? Alors, attends. J'ai une troisième cassette. 1, 2, 3. The plastic casing feels loose like someone took it apart several times. The cabin is written on it. The cabin. What kind of cabin could that be? Allez, on va se chier dessus, les gars, c'est parti. Oula. Qu'est-ce que t'as passé? Matches, ok? Qu'est-ce passé? J'ai trouvé donc des allumettes, mais qu'est-ce que... J'ai bien la boîte d'allumettes. C'est Hitler. Littéralement Hitler. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des...
des inscriptions. No food left. D'accord. Et donc, j'adore l'esthétique quand tu es dans les rêves, là, à moitié, enfin, dans les Lost Tapes. Il y a des espèces en plus de... Les textures shifting, un petit peu comme sur PS1. J'adore ça, mec. C'est un fétiche à moi, ça. Have to pray to it gives us flesh. D'accord. Et donc, de quelle manière procédons-nous? Je vais essayer de retourner en haut avec mes matchs. Paris match. J'ai pas de lampe torche. Cette femme au bout. Non, c'est pas une femme, c'est un genre d'hôtel. Ça va partir en couille, hein, on est d'accord. Hein. J'ai l'impression, en fait, ça me rappelle vachement Dusk, tout ce passage-là. Ah, et puis il faut que je mette l'idole en bas, d'accord. L'idole des jeunes. On verra ça après. Là, bah, je pense que c'est ça. Hop. Yes. Yes. C'est bien, Lucienne. Beau gosse. BG, poteau. Je comprends ça, Ruru, pour le Vertex Displacement de la PS1. Alors, c'est pas parce que moi je connais pas les termes super compliqués que toi tu connais que je suis moins intelligent, MTE. J'espère que c'est clair pour tout le monde, ça. Bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois des forêts? Ah, ça veut dire qu'il vient me chercher, c'est ça? Took our son. Give me back my son! You're a goddamn hypocrite! C'est Evil Dead. Oh, j'espère que les têtes empaillées elles vont se foutre de ma gueule. Faut toujours que je mette le 3 d'ailleurs. J'ai l'air d'un con, j'ai un super poster de Evil Dead 3, mais je l'ai vu qu'une fois et je m'en souviens pas. Hein. Bon, allez, on se casse. C'est marrant 2 minutes, mais on va quand même se barrer. Pas déconner. Allez hop. Ok, donc la save c'est fait, j'ai pas de cartes, très bien. Voyons voir. Ça m'a fait extrêmement peur, la réflexion de la porte en face m'a terrifié. Oh là là, il y a beaucoup trop de choix, mais mec, it's stuck, it's rusted shut. Ok, bon déjà le choix, il est limité, et ça j'aime bien. Mes réponses sont limitées. Allez vite, quel film? Mes réponses sont limitées. Quel film? Je donne un indice, science-fiction. iRobot, putain Nick, il est fort. Putain Nick, il est fort. Je suis désolé, mes réponses sont limitées. Oh, dis donc, il y a des vers de cracoutes, regarde. Enfin, des cracoutes, non, c'est pas vraiment des cracoutes, c'est plus des insectes dégueulasses. Mais alors ça, par contre, quand j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas les bêtes, les cafards, c'est... Mon gars, rien que le nom, j'ai des frissons, quoi. Ça, faut pas... Mess me with that gay shit, vraiment, honnêtement, quoi, très honnêtement. Hop là, excuse-moi, je remettais mon lecteur pour voir combien de viewers il y avait, parce que c'est important pour mon ego. Spooky Stories for Kids volume 1. Il était une fois un vieil homme dégueulasse dans une vieille maison dégueulasse. Le vieil homme dégueulasse voulait pas sortir, parce qu'il voulait pas jouer. Il voulait rester dans son bain, et il trempait dans l'eau toute la journée. Juste lui et sa musique, à apprécier l'eau, même si c'était dégueulasse et vert. Il se trempait toute la nuit et tout le jour, enfin tout le jour et toute la nuit, mais il essayait jamais de se laver. Mais un jour, le vieil homme, il pouvait plus trouver sa musique, parce que toute sa radio, c'était que de la neige, en fait. Alors il est tourné sur lui-même et il a essayé toutes les stations et il y a les choses qui sont empirées et sont devenues dramatiques. Sa radio, elle est tombée dans l'eau et il n'a pas réussi à l'éteindre et après il est mort. Ok. 7 sur 5. Oui, non, d'accord, ok. Algérie victorieuse. Ah, ça va gueuler. Ça va gueuler dehors. Bonsoir. C'est quoi ces conneries? You're just hollow. You're pathetic. You need fear to motivate you. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une reine Goa'uld. Ouais, j'ai besoin de toi, mais 2-3 coups de couteau, t'es par terre, poteau, hein. Voilà, non mais quelque part, moi j'ai besoin de personne qui n'est pas immortel. Jésus-Christ, Michel Drucker. Oh, Rubik. Oh! Une cafardomancienne! Qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Oh là là. Putain, mais serre-toi de ton prépuce en abat-jour. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Pourquoi je vois de... Ouh, il est marrant lui. Attends, attends. Je suis désolé. Pardon, je voulais paniquer l'ambiance. Oh, il est marrant. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que je suis censé prendre le truc vraiment sérieusement. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai eu une inspiration littéralement divine. Je sais pas comment j'ai fait pour C'était évident après, hein, mais Non mais là, c'était prêt et ça m'a vraiment fait peur. Ouais, bah, je suis désolé, mais... Moi, c'est son visage, il m'a... Enfin, ça m'a surpris, hein. Mais ça m'a pas fait peur. Mais je crois qu'en fait, je suis arrivé au moment dans le jeu où, bah, ça y est, on a vu plutôt... on a vu la plupart des choses qu'il voulait nous montrer, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, il y a plus grand-chose qui me fait peur. Il y a des choses qui peuvent me surprendre, bien sûr, hein, comme tous les jumpscares. Et c'est pour ça que j'aime pas les jumpscares, c'est parce que c'est injuste. Tu peux pas t'habituer à un jumpscare. Allô? Je sais pas si je peux ou pas, en fait. Ok. J'imagine que non. Mais ça, non, j'avoue, ça m'a pas... C'est pas mal, ça. J'aime bien l'intérêt du truc. Mais je pensais que c'était l'œil, justement, de Sotiris, ça, mais apparemment non. Enfin, choper l'épée de Gryffondor, c'est un basilic. Je vais commencer à me paumer. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais je vais commencer à me paumer. Je le sens, là. Alors, je vous préviens tout de suite, parce qu'il va falloir que vous vous habituiez à que je dise... merde, je suis où, quoi. Tiens, par exemple, tu vois, là. Merde, je suis où. Je reviens exactement ici. Et il y a toujours le grillage devant l'œil, là. Ouais, non. Non, lui, il sert à rien. Je peux pas le chlasser quelque chose, là. Non, je peux pas. Très bien. Je vois trop un film d'horreur avec tout le monde terrorisé avec Russia de milieu. Où il est marrant, les... Non, mais c'est-à-dire que j'ai eu peur des jumpscares pendant tellement longtemps que je pourrais pas dire que je suis devenu insensible. Mais déjà, j'arrive à les voir venir. Et le moment où j'ai peur est très 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 court sur un jumpscare, en fait. Et puis c'est un peu ça le principe aussi. Ça fait un petit boop comme ça. Et t'es pas censé avoir peur pendant longtemps. Et c'est vrai que je dirais pas que je suis insensibilisé, parce que c'est pas vrai du tout, hein. Mais non, ça m'affecte plus autant qu'avant, tu vois. Je sais que s'il fallait refaire Amnesia, ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie, question vidéoludique, mais un truc de fou, hein. Mais s'il fallait refaire Amnesia, c'est vrai que je pense pas que j'aurais autant peur, tu vois. Ah non, mais faut pas se dire ouais, j'ai peur des jumpscares, je suis une fiotte, parce que c'est fait pour les jumpscares, c'est fait pour être de la flip rapide, efficace, et que tu peux pas vraiment t'y habituer, en fait. Donc c'est pour ça que c'est injuste. Ce qui est vraiment très dur et ce qui est vraiment très cool, c'est la peur qui a pas besoin de jumpscare. Genre le dernier truc en date comme ça que j'ai, c'est Hérédité. Hérédité, mon gars, la flip dedans. Oh là là. Il était une fois un très gentil monsieur avec un très gentil vieux chien. Le monsieur était content, juste lui et son chien, à regarder les années passées. Le temps passait, beaucoup de choses ont changé. Sa maison était vieille et profonde dans les bois, avec un petit peu de ciel bleu, très bien. Une nuit, le monsieur était en train de promener son chien, comme c'était les habitudes de la nuit, mais moi son chien, il est parti, dis donc, pour courir après un lapin, voilà, qui était là. La nuit était sombre, à peine éclairée, alors le monsieur était très inquiet, mais le vieux chien, il fit un yip-yip, et il est re-rentré comme s'il était pressé. Alors le vieil homme, il est rentré également, il a fermé la porte, et ses inquiétudes étaient endormies, telles lui. Mais en dehors de la fenêtre, il a vu son vieux chien, et il avait plus de peau. Waouh! And then John was a zombie! Bonsoir?
Tu es ma conscience, c'est ça? Je vais te chlasser. Tu n'es plus là. Ah. Oh là. Oh, dis donc, je suis en... Oh non! Mais non, c'est pas possible. Attends. Oh, c'est super long pour se tourner. Là, par contre, ça me fait peur de ouf. Oh là là, là, j'aime pas. En fait, là, j'ai pas le mouse look. Je suis obligé de faire ça au clavier. Là, je vous avoue... Oh putain, je suis pas du tout rassuré, là. Ouh, là, c'est back to the beginning, là. In the beginning. Il est là? Oh là là. Oh putain, mec, je suis pas bien du tout, là. Je suis pas bien du tout. S'il y a un jumpscare, là, maintenant... Les coulées d'eau sur les murs, on dirait les silhouettes. Je sais pas où est le sifflement. Un jumpscare surprend plus qu'il ne fait peur. Par contre, ça peut, quand c'est bien rythmé, laisser le joueur sur les nerfs. Sinon, bah, tu t'habitues rapidement et c'est chiant. Bah oui, là, c'est le problème, c'est que là, j'arrive pas à m'habituer. J'aime pas me retourner comme ça. Oh là là. Je vais me paumer de ouf en plus. Les gars, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je vois que dalle. Je sais que c'est pas censé voir super bien un chien, mais il y a quand même une limite. Putain, mais je l'entends tout droit, c'est quoi ces conneries? Ou alors il est derrière moi? Le caca en live, là là, ouais, c'est pas des coulées d'eau sur les murs que tu vas avoir, mon gars, c'est... Il y a une énorme, c'est du Jackson Pollock, uniquement en forme, en nuance de marron, quoi, vraiment. Oh là là. Putain, sa mère dit. Ah. Il y a quelque chose qui me grogne après. Ou alors c'est moi qui grogne. J'avoue que je ne sais pas. Et je reste planté là. Oh là là. Les lois ne font plus les hommes, mais les hommes font la loi. Je ne peux pas, je ne sais pas. Je suis en train de m'engouffrer dans des trucs. On sait toujours pas où est Michel. C'est vrai que depuis le début, depuis tout à l'heure, là, Michel, on l'a un peu abandonné. C'est mon estomac. C'est pas mon dromadaire, c'est mon estomac. Et je suis sûr qu'il y a plein de cette pullule de petits restaurants très goûtus. Oh, des brochettes, des poissons mijotés, des viandes en sauce. Ah putain, tu peux pas strafe, espèce de petit con de chien. Pourquoi il a pas de lampe torche, le chien? Ça, par contre, c'est dégueu. Il devrait avoir une lampe torche. Tous les chiens du monde devraient être livrés avec une lampe torche. Je vais me paumer. Je sais pas, je suis passé par la droite ou quoi, là? Je viens par là ou quoi? Je viens de par là ou pas? Non? Je me marre si tu trouves une pompe. Bah, j'avoue que ça me rassurerait, mais... bon. Donne des seuils. Là, pour l'instant... Alors, j'imagine que c'est pas mon chien. Something is beating on the door! Flood the drain room. Bah, pourquoi pas, ouais. Non, mais dis pas que j'ai tué mon chien encore. Si j'ai encore tué mon Klebs, franchement, je pète un plomb. Hein. J'espère que j'ai pas encore tué mon chien. Bijou! Non, non, bijou, bibi, bibi. Non, non. Ah shit, here we go again. j'espère que j'ai pas. Non, mais il avait des pattes en plus affreuses. Je suis sûr que c'était pas lui. Je suis certain que c'était pas mon petit bibi. Hein? Hein, les gars? Dans un labyrinthe, il faut toujours aller à droite. C'est ce qu'elle m'a dit, Pouze. Alors, ça doit être vrai. Hop, droite, droite. Bibi? Bibi? Once there lived a great old beast in your great old wood. Ouais, on s'en fout. Je suis désolé, hein, mais là, ce qui m'inquiète... Ouais, ta gueule. ce qui m'inquiète, c'est surtout de retrouver mon petit hinche. Parce que là... Ah,
je crois que j'ai dodge quelque chose qui allait me faire peur. Je suis désolé. C'était pas forcément le but, je ne sais pas où je vais. J'avoue que là... Seul sur le sable... Est-ce que je me retourne ou pas? Ah, c'est toi! Il est trop marrant, lui. Parce qu'il est marrant parce que je suis sûr qu'il a une voix un peu comme ça. Hey, attends-moi! Oh, mais tu vas où? C'était pour déconner! Hey, j'ai vu ton chien! Il est mignon de ouf! Il s'appelle comment? C'est quoi comme race? J'aime bien! C'est un Canet Corso! Ah, ok. Ah mais du coup il va me boucher là non? Excuse-moi, ouais, pardon. Vas-y viens. Ouais mais excuse-moi, voilà. Voilà, merci. Aïe. C'est pas grave, il m'aime bien, il m'aime bien. Je peux le caresser, il est gentil. Oui oui il est gentil. Oh cool. J'en avais un aussi chien mais je l'ai plus. Je peux où l'est. Ah ok je vois. Va falloir que je le coupe en deux. Coupé des galères Aiden. Vous l'avez bafoué, oh! C'est le dieu des homards qui poursuit de Rugy. De Rugy, je sais pas comment il s'appelle en vrai. J'ai juste vu son nom. J'ai pas vu son patronyme. J'ai pas entendu sa prononciation. Est-ce que tu penses que. Oh non, merde! Non, rouvre! Copain, j'arrive! Attends, bouge pas, j'arrive! Non, le pauvre! Attends. Oh le pauvre, non, il va être tout seul, il va être paumé sans moi. Ah bah non, il est pas si paumé que ça. Excuse-moi, voilà, merci, je passe. Ne prends pas mal, hein, voilà, merci. Alors. Va falloir l'attendre. Ouais, bah oui, non, mais il n'y a pas besoin. Attends. Voilà. On va foutre ça là, on va se retourner, il va être là, n'ayez pas peur. Ferme la porte. Bah non, ça sert à rien, en fait. Je pensais qu'on pouvait genre le couper avec la... Ouh! Le couper avec la porte, mais non. C'est quoi? Oh, un siège. Je sais pas quoi foutre. Ah. Il est trop... En plus, il est trop sans incidence. Genre, j'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment quoi que ce soit de très dangereux, à part me mettre légèrement des petites tapettes sur la tête. Non, ça s'est fermé. Il était pas dessus. Mais tu crois que c'est comme ça qu'il faut le niquer? Parce que j'ai l'impression, mais je saurais pas dire, tu vois. On va retenter, hein. Maintenant, il vient vous couper. Coupe. Ouvre. Oh putain, faut que je refasse le tour. Attends avant d'ouvrir. Bah oui, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Mais le problème, c'est que quand c'est trop tôt, et c'est trop tard. Et ensuite, quand c'est trop tard, c'est trop tôt. Alors voilà, c'est trop tard. Voilà, pardon, excuse-moi. Voilà, merci. Peut-être que c'est un moyen de le semer après, tu crois? Ça se trouve, oui, c'est peut-être juste un moyen de le cramer. Il est juste derrière moi, là, voilà. Oh, ouais, écoute, on va laisser tranquille. Parce que ça s'ouvre pas, de toute façon. Ouais, mais il est pas semé, là. Là-bas, il n'y a pas d'ouverture. Il commence à me saouler, en fait. C'est un peu le copain chiant, il a réussi à te faire rire une fois et du coup il répète la même vanne en boucle. Tiens, ça met nous ça, on est pas passé par là. Si, complètement, si. Excuse-moi, allez, on va faire le tour. Parce qu'il y a même pas besoin de le semer en fait, quand tu sprintes un petit peu, il arrive pas à te suivre. Le pauvre. Tu marches un peu vite, il arrive pas à me suivre. Ah, c'est pas les trois moisis là. Attends, excuse-moi, allez, merci. Ah ouais. Il fatigue son bruit. Bah oui, je suis désolé. Il est un peu chiant, hein, mais il est spécial, ok? Il est spécial, j'y tiens. Je sais pas quoi foutre avec lui. Il est étrange. Faut que je lui mette des balles quand même. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai rien de particulier qui. Non, j'ai rien vraiment. Non, j'ai vraiment rien qui peut vraiment aider. Après, s'il y a quelqu'un qui veut aller voir la solution sur internet, moi je suis preneur, hein, mais bon.
C'est quand même con, quoi. Je sens que c'est la porte rouge au fond, mais écoute... Non mais oui, non mais j'ai encore fait la même connerie en plus. Je pense pas que ce soit ça, parce que ça serait vraiment super chelou au niveau du timing de devoir faire ça. Je pense qu'il faut que je l'active et que je me casse et que je rejoigne la porte rouge, parce que je suis sûr que ça... Voilà, pardon, excuse-moi. En plus, il se pousse quand je passe. Maintenant, tu vois ? Non, ça, à mon avis, ça s'ouvre une fois qu'il est mort ou une fois que j'ai fait un script. En plus, on entend le... sa soundtrack, sa bande-son qui fait des tours. Non, je pense qu'il faut le bourriner. Faut peut-être le faire plusieurs fois, alors. Non, je pense pas qu'il s'en balègue, mais je pense qu'il faut le faire plusieurs fois et le blesser un peu. Peut-être le bourriner un peu plus. Peut-être que je le bourrine un peu plus. On va essayer. Reste là, reste là, reste là. C'est moi qui fais là-bas avec mon mec. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, allez, allez, allez. Je te coupe. Putain, c'est super chiant. Faut le faire plusieurs fois, Game Talik. Si on a coupé un bras, maybe. Bah, mais bah, écoute, ouais. J'ai pas rien, moi. Ouais, ouais. Oui, il saigne, hein. Il saigne, il présente des dommages, même quand je lui tire dessus, hein. Mais, pas très épique, hein. Viens, Michel. Et puis on en parle plus, et puis je te coupe. Et puis... Non, allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est con. Quelle espèce de gros attardé, c'est incroyable. Peut-être ça lui coupe la tête à un moment. Bah, je pense, oui, parce qu'on a vu en plus la démarcation de son modèle. On a vu la démarcation entre la tête et le reste du corps. À mon avis, ouais, il faut lui couper la tête à coups de couteau, ouais. C'est classe. Allez, 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 allez Michel, allez Shelmy, allez Shelmy. Mais c'est ainsi que s'éteignit Michel. Il était spécial pour certains, un bon ami pour d'autres, mais c'était quelqu'un de très aimant, très proche de ses proches. Bon, par où on se casse maintenant ? Maintenant qu'on a oblitéré Michel à coups de couteau. C'était pas le meilleur boss fight de l'histoire, mais bon, ça se tient quand même. Hein. Non, à chaque fois, je reviens ici, et à chaque fois, c'est pas ça. Ok, ça, c'est pareil, non? C'était... ouais. Et du coup, maintenant, ça m'a l'air super calme, en fait. Maintenant qu'il n'y a plus aucun bruit. Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est surtout récupérer mon kleps. Ah, voilà, là, c'est ouvert. Le pauvre Streamlabs, il se fait engueuler en boucle par Moobot et il peut rien y faire, quoi. Est-ce que je retourne par là maintenant que... Chez moi, c'est pas super calme. Oui, mais c'est normal, c'est la guerre civile, mais je veux dire... Là, en tout cas, chez moi, c'est calme. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu. J'ai pas entendu de cri, j'ai pas entendu de klaxon ni rien, donc... Ouais, je dis klaxon, ouais. Et je dis pas Dodan, je dis Cassis. Un Cassis. Oh, dis donc, je vais passer sur un Cassis. Ok, des guns, des balles, ce qui est déjà pas mal. C'est fermé ça ou quoi? Ça menait où ça déjà? Oula. Ok. Eh, si j'ai tué mon kleps. Oh. Allez, c'est Tipar.
Ok, je pense que là ça va chier un petit peu parce qu'on a vu, des choses qui sortaient de ces. Oh, c'est quoi? Il y avait quelque chose là. C'était quoi? Il y avait un truc. Il y avait un truc buggé à travers le mur. À la prochaine Coupe d'Afrique, préparez des sacs remplis de taons et balancez-les depuis votre balcon. Dis donc. Je dis pas Dodan, je dis rond-point. Oui, ça c'est quand Poon s'est conduit, ça. Le spleen n'est plus à la mode. Bordel de merde, je vais, ça glisse. Ça glisse. Je peux pas monter. Je peux pas monter. Ah non, c'est par là. Ok, c'est bon. Non, c'est pas par là. Bah merde. Oh, le truc qui change quand je repasse. Ça, mon gars. Ça, ça me met qu'à moitié tranquille, tu vois. Je suis pas. Non, mais ça va, je suis pas trop stressé comparé à tout à l'heure. Pour l'instant, le passage qui m'a le plus. Le passage qui m'a le plus stressé pour l'instant, c'était le passage avec le Kleps. Mais sinon, ouais. Ça se fait, franchement, ça se fait. Oh, ils m'en rendent. Aïe, aïe. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, ta gueule. Putain, je suis trop près, j'arrive pas à le tirer dessus, merde. Aïe, 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 je saigne de la tête. Ouh. Ouh, child. Things are gonna get easier. Ooh, child, things are get brighter. Casse-toi. Ah, oh, bah, je suis mort. Oh merde. Ah, dis donc, ouais. C'est une des premières fois où je meurs à cause d'un ennemi, vraiment. Enfin, un ennemi basique en plus. Non, ça c'était juste des cafards, c'était pas des scuticutules véloces là. Je pars 2 minutes tout de suite, ça critique. Mais non, personne critique. Je faisais juste part de ta façon aussi très spéciale d'emprunter les ronds-points. Ok, alors, on y retourne. Et cette fois-ci, je me fais pas emmerder. Parce qu'en fait, je sais pas si. Je sais pas si je vous avais dit. Mais il y a une touche pour bloquer. Chose que j'ai pas du tout utilisée depuis le début. C'est par où ça? Oh! Non, 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 j'abandonne pas mon chien. Non, 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 non. Je crois pas, non. Pas maintenant, non. Enfin, certains ont point, pas tous. Oh, un bon pourcentage quand même. Ok. Il est où mon petit clébou? J'espère qu'il va y avoir une happy end, mon gars, mais un truc, mais adorable, quoi. On lui file des petits nick-nooks. Il mange. Après, il fait des papouilles. Et on regarde une journée au zoo. Non, ou une semaine au zoo. Non, je me souviens plus c'est quoi l'émission, là. Ou on regarde le documentaire super chialant qu'il y avait sur Netflix sur les chiens, là. On l'a maté avec Nick Nick, mon gars, on faisait pas les fiers. Ok. Mais non, des petits nicknooks, c'est des petits gâteaux, quoi. Non, non, c'est pas des. On refile pas des MST à des chiens, déjà. Parce que les chiens sont purs. Et qui. C'est littéralement la réincarnation de la pureté de Jésus-Christ, mort en croix. Donc, s'il te plaît, un peu de respect pour les guinches. Ouais, nique ta guerre. Nique ta guerre. Oui, nique ta gueule. Ah! Aïe, aïe, aïe. Voilà. Très bien. Je crache plus par terre. Je traite plus les mers. Je traverse que quand le petit bonhomme est vert. Ok. Ok, alors. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien aussi, je suis d'accord. Bon, on est sur le sprint de fin, là. Il y a la save. À mon avis, on est sur la fin, là. Rui, il s'est fait un super pote hier. Il s'appelle Kevin et il est DJ, hein, Rui. Ah ouais. Sur, Tellement Vrai, je crois. Je sais plus si c'était Tellement Vrai ou un autre. Le mec, c'était un génie, quoi. Pour draguer des meufs, il se rapproche, il fait alors bonjour, je vous trouve super bonne. Est-ce que vous ça vous dirait pas de vous tourner 5 minutes? Enfin, le mec, je pense que quelque part il a de l'avance sur tout le monde. Je pense qu'il nous a tous complètement cramé au niveau
Et là, ils l'ont culé direct. Il nous a tous cramés au niveau séduisage. C'est marrant pour s'entraîner au headshot ici. J'aurais foutu du blanco sur mon fusil de chasse. Ah ouais. Par contre, je suis en train de prendre cher. Ouh, tcha. Ouais, regarde, on est en train de traverser toutes les sections à la fois. J'en ai des bouts de laboratoire, il y a des bouts de caverne, il y a des bouts de roquefort. Oh, ah, mais là, c'est chaud un peu. Ah, ils sont en train de me gicler dessus. Ah putain, évidemment, c'est la troisième. C'est rien, avance, c'est rien. Power through the pain. Ils sont marrants, eux. The pain! Ils sont marrants, vos plantes, mais je suis pas sûr que ce soit super. C'est pas de l'aloe vera, en tout cas. C'est des plantes grasses, mais... Oh. Ah oui, d'accord. They rose from the ashes of this world. Oh! The text is illegible. Ow! Putain, il m'a foutu une claquette. Ow! Fuck! Et allez, il y a de tout. Il y a des squitticulus, là. Il y a des... Oh là là, ils vont tous m'attaquer en même temps, en plus. En plus, les cafards, il leur faut deux cartouches ou trois coups de couteau. Je suis pas sûr que ce soit super équitable. Ah, voilà. Ouais, je te trouve super bien roulé. Tu peux te retourner pour que je regarde. Ouais, voilà, c'est ça qu'il disait. Ah, le mec, il est plus ou moins Don Juan, quoi. Il est où, mon kleps? J'ai pas récupéré mon kleps. Il est où? Oh! Clébou! Oh yes! Oh c'est qui? Oh c'est qui? Oh la vache! T'as des yeux quand même? Ouais c'est bon. Oh bah alors? Oh c'est qui? Allez on y retourne! Oui! Bah alors? Et bah voilà! Eh, tranquille ou pas? Oh, bah voilà, succès déverrouillé, good end. You escape the confines of the zoo and reunite with your dog. You feel that you experience that change who you are and that the barriers of life that once restricted and intimidated you have now fallen away. You've been to hell and back, confronted your fears and gotten stronger. And now you're a fat faggot. You're no longer a faggot. Eh ben c'est bien, voilà, on a récupéré notre chien et on n'a plus peur de dire bonjour au facteur, de décrocher le téléphone. Non, je déconne, c'est toujours terrifiant de décrocher le téléphone. On n'a plus peur de dire au restaurant quand c'est pas le bon truc qu'on nous a servi. On n'a plus peur de demander à des gens à la FNAC pour trouver des trucs dont on a besoin. Non, c'est cool. C'est cool. To hell and back, bonne track de Sabaton. Exact, c'est une très bonne track de Sabaton. Feeling safe isn't a feeling that you can feel. Est-ce que c'était une citation de l'homme d'entretien dans Scrubs? Arrête. Pourquoi c'est aussi terrifiant le téléphone? Je sais pas, mec. Mais il faut pas m'appeler au téléphone. Moi, ça me terrifie. Il y a un New Game Plus? Ouais, pourquoi pas? Ouais, on peut skip l'intro. Il y a un New Game Plus, mais quel est l'intérêt d'un New Game Plus? J'ai un gun? Ah ouais, je commence avec des guns et tout, quoi. Mais quel est l'intérêt? Ouais, c'est pour un speedrun, j'imagine. Est-ce qu'il rajoute des ennemis? Ce serait marrant qu'il rajoute des ennemis partout. To the gates of hell. As we make our way through the heavens. Il y a des bonus. D'accord. Oh, c'est marrant, ça. Si, on vient de le finir, Babyface Gopher. On vient juste de le finir. Eh ben, écoute. Ça s'est plutôt pas bien passé. Hein. Ah oui, d'accord. Les positions des ennemis sont randomisées. J'ai lu sodomisées à la base, hein, mais écoute. Tant pis. Hein. Bon, eh ben, écoute, j'ai l'impression qu'on va passer sur Resident Evil HD Remaster. Alors, par contre, il va falloir... Je vais sans doute pas streamer longtemps de HD Remaster parce que je suis complètement paumé. Je sais plus ce qu'on a fait la dernière fois. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce qu'il faut aller chercher ni rien. Donc ça va être vraiment vraiment problématique, vraiment long, je pense. Il va pas se passer de super trucs. Donc je vais juste en faire un tout petit peu histoire de se remettre un petit peu en ambiance. Et ensuite on arrête, d'accord? Comme ça, ça fera quand même un petit stream tranquille. On va faire voilà 5 heures de stream quoi. Mais pas plus. Pas plus. Ah, je suis en train de speedrun un peu le truc, mais... Ouais, les messages, moi aussi, les messages vocaux, ça va.
mais de décrocher au téléphone, je sais pas pourquoi, quand on m'appelle, je suis vos gueules avec 0323 et je vais tous vous défoncer. Je vais tous vous enculer, les gars. Mais quand on m'appelle au téléphone, tout de suite, mon cœur s'arrête, mon sang s'arrête et je fais... mais si c'est le Père Noël? Et si c'est le Père Noël qui me demande des... Il veut que je lui rende des comptes à propos des pizzas aux zizi que je lui ai demandé quand j'avais 11 ans? Je fais comment? Appeler, ouais, appeler, c'est pareil, c'est terrifiant. Mais ça dépend, tu vois, récemment, il a fallu qu'on appelle PayPal pour des problèmes au niveau de notre compte, tu vois. Et bah, ça me dérangeait pas d'appeler parce que j'étais prêt à les engueuler, tu vois. Mais c'est vrai qu'en temps, en temps général... Putain, il y a Poons qui m'appelle, évidemment, quoi. Bon, les gars, je reviens. On va lancer juste après Resident... Ah, merde, non, je me suis gouré. C'est ça qu'il fallait faire, voilà. On va lancer... Elle m'appelle vraiment, en fait, en plus. En plus, elle m'a envoyé un MMS, mais je sais plus, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à les télécharger, les MMS, alors... je sais pas pourquoi. C'est chiant, ce truc. Envoie-les-moi par Messenger, plutôt, les trucs. Bon, bon, du coup, je te laisse un long message vocal. D'accord. Non, c'était pas mal du tout, Lost in Vivo. Je trouve qu'il y avait des bonnes mécaniques. Il y avait pas mal de trucs qui étaient pas mal cherchés. Et c'était bien. Mais oui, non, ça reste un petit jeu indé tranquille, hein, tranquillou, donc ça casse pas non plus des briques, mais au moins on a récupéré le chien à la fin, et je pense que c'est ce qui compte, tu vois. Donc je reviens, les gars, je vous fais un gros bisou, on va lancer Resident Evil HD Remaster juste après, pour faire une toute petite partie vite fait, et puis on se retrouve dans quelques secondes. Allez, à tout de suite.